Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et je suis en compagnie de Jean. Salutations, Jean. Muchachos. Oh là là, dans le micro, nous sommes allongés en mode romain sur mon canapé. Moi, j'aborde une position incredibilis, tu vois. Il nous manque le raisin. Je mange ma glace. Le raisin et les... J'allais dire, si c'est une vraie orgie romaine, le raisin et les petits garçons, mais moi, je me contenterai de... je me contenterai de raisin, si tu veux. C'est dégueulasse. Alors... À la grecque, on est posé. Et donc, on est sur Slay the Spire, que JL m'a fait découvrir absolument délicieusement. Hein. Un jeu assez propre. Un jeu très, très propre, en tout cas, qui est très maîtrisé par Crane. Je vous invite aller voir ce que Crane fait sur le sujet, parce que écoute, on troll, mais sinon globalement il maîtrise le sujet, et c'est intéressant de voir pour une fois qu'on peut partager avec les proches. Écoute, Jal va nous montrer du vrai gameplay hors du commun. Alors moi, ce que je propose, c'est de partir sur le défectueux. On l'a pas fait en live ou de façon très sale, et le but, ça va être de se concentrer, c'est d'essayer de comprendre ces mécaniques. Attends, tu veux pas plutôt partir sur un perso qu'on connaît, histoire de leur montrer des choses? Soldat de fer, on y croit. Ouais, silencieuse alors. Soldat de fer. Le perso de base, il fait plaisir. Bonjour. Essayez au moins d'affronter le premier boss. D'accord, très bien. Bon bah, attends, voyons voir. La route, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu au tour par tour, en fait, où on affronte une tour, et l'objectif, c'est de buter les Stremons dans la tour. Voilà, et ce que vous voyez, c'est nos différentes rencontres possibles. Alors, les chemins, voilà. La première rencontre, là, ce que vous voyez, c'est des monstres normaux. Ensuite, les points d'interrogation, c'est un peu des rencontres RP. On peut également tomber sur des monstres. Mm-hmm. Et ensuite, Bob. Marchand, trésor, repos. De toute façon, ils ont la légende à droite. L'important, c'est que les ennemis d'élite sont des monstres plus forts qui nous donnent une relique, un artefact. C'est-à-dire, si vous jouez à The Binding of Isaac ou n'importe quoi d'autre, un roguelite, ce sont des petits artefacts qui vous donnent des buffs éternels. C'est ça, en fait. C'est le truc. Exactement. C'est l'avantage. Alors que les ennemis ne nous lâchent généralement que soit des cartes pour nous permettre d'avoir des actions. Vous allez comprendre très vite, soit des items comme des potions, de la merde qui se consomment. Voilà, par défaut, la relique de départ du soldat est vraiment ultra pétée. On gagne 6 points de vie à la fin de chaque combat. Donc notre gestion des points de vie est différente d'un autre personnage. Tout à fait. Je dirais de partir au milieu en fait, ou à droite, parce qu'il y a double point d'interrogation. Je suis parti au milieu. Début du combat. Donc ouais, dès le début on a un deck, et en fait on a 3 points d'action tout en bas à gauche. Vous voyez, chaque carte... Attends, vas-y, doucement. Vas-y, on va trop tard pour ce moment. Voilà. Chaque carte, vous voyez, on a 3 points d'action à chaque tour, et vous voyez que chaque carte a un coût en haut à gauche de la carte et une fonction par rapport à ce qu'elle est, par rapport à son usage. T'as fait attaque, armure. Armure te donne 5 points d'armure, et lui, il va attaquer à 11, c'est écrit au-dessus de sa gueule. Ce qui veut dire qu'on va perdre 6 points de vie, hein, avec tes conneries. C'était tout à fait prévu. Blais. Faut savoir que l'armure, même s'il vous en reste, l'armure disparaît au début du tour. Sauf bien sûr si t'as des skills incroyables. Voilà, donc là j'ai mis 10 d'armure pour pas que l'attaque de l'adversaire pénètre notre armure. Exactement. Et s'attaque à nos points de vie. Et voilà, et le deck est ressuscité. Alors voyons voir. Une armure, et je dirais attaque, histoire de... Ouais. Si on fait un peu de PV, mais on est agressif. Soyons agressifs. Moi j'aime bien jouer à l'agressif. C'est assez énorme d'avoir ça au tour 1, quoi. Quand même. Attends, il y a Hurt, c'est pas mal. Hurt, ça lui met vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il prendra 50% de dégâts en plus. C'est ça, exactement. Ce qui est très bourrin. C'est les bons chiffres. Beuglement. Ça augmente sa force et de l'armure. Bon, mais là, si on lui en met deux ki dans la bouche, il crève. On a deux ki. Allez, salut. Allez, des bisous. Alors, donc, les 10 balles. 10 balles et une carte. Alors, voyons voir. Même pas mal, et coup de boule, et frappe parfaite. Regarde, frappe parfaite, 6 dégâts et 2 dégâts supplémentaires par carte de frappe. Donc on ça a fait 5 cartes, donc 10 points en plus, c'est 16 de dégâts. Ouais, 16 de dégâts, mais je trouve que c'est pas ouf. Je préférerais partir sur mes. Attends, coup de boule, infliger 9 dégâts, placer une carte de défaut sur l'autre, doigt de pioche, bof. Et même pas mal, gagner 8 d'armure, piocher une carte, c'est bien. C'est plus d'armure que l'armure de base de la carte de base qui donne que 5. Et on pioche une carte, donc c'est gratuit. Allez. En plus, ça coûte que 1, donc c'est pété. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est gratuit. Alors, les voix, c'est prêt? Vous tombez dans une flaque. Elle est composée d'une substance visqueuse. Vous vous débattez frénétiquement pendant de longues minutes, car vous sentez que la substance commence à vous brûler. Vous en avez dans les oreilles, dans le nez, dans le pénis, partout. Vous vous hissez hors de la flaque et vous rendez compte qu'il vous manque une partie de votre or. Vous scrutez la flaque et repérez les pièces manquantes. Agglomérez alors d'autres malheureux aventuriers. Donc soit on perd 11 PV et on gagne 75 balles, soit on perd 25 balles. Moi ça me paraît clair. 11 PV, hein, ouais, vas-y. Ouais. Allez. Vous éprouvez un picotement dû à l'exposition prolongée de sa substance visqueuse. Bien que celle-ci ne commence à vous ranger la peau, vous parvenez à repêcher l'or.
Excellent. Ça, c'est propre. On continue. Point d'interrogation, ouais. Allons-y. Le point d'interrogation, c'est un peu un délice. C'est toujours rentable, ouais. Vous croisez un piédestal des plus anodins sur... Enfin, vois Stéphane Berg, je vous mets dans la position. Vous croisez un piédestal des plus anodins sur lequel trône paisiblement une idole dorée étincelante du temps de Jésus-Christ en personne. Elle vous semble extrêmement précieuse. Il n'y a cependant aucun piège aux alentours. Bien sûr. Bon, on va la prendre. On prend un piège. Alors. Tandis que vous saisissez de l'idole, vous saisissez de l'idole et la mettez dans vos affaires, les membres chers fracassent le flacon et s'écrachent au sol, et vous bouffez ça. D'accord. Alors, soit on court à toutes jambes et on chope une malédiction blessure qui est propre. Ouais. Subir 20 dégâts moins et PV réductis moins. Ouais, attends, c'est quoi la malédiction ? Jouable. C'est juste un jouable, ça va. C'est propre. Subir 20 dégâts, non, bah non, mais ça on aura le temps de l'effacer, j'ai envie de te dire. Moi, c'est les 20 dégâts qui me semblent pas si graves. En vrai, c'est difficile de régénérer dans ce jeu. Mais bon. Ouais, une blessure, allez. Une blessure. Allez, on part sur la blessure. Voilà. Attends, reviens. Reviens. Ouais. Reviens. Voilà, il y a un texte. Ah. Ouais ! Vous sautez de justesse dans un passage latéral avant que le rocher ne passe à toute vitesse. Malheureusement, vous semblez vous être foulé la cheville. Malheureusement, ouais, la cheville. Là, les combats obligatoires. Alors, attends, on va regarder déjà ce que c'est que notre deuxième. Ah oui, relique. C'est quoi l'item ? 25% d'or supplémentaire. Ah, c'est propre. Très très propre. En fait, ce qui est propre, c'est de la choper très rapidement. Ouais, très tôt, ouais. J'avoue. Allez, c'est parti. Après, je proposerais de partir à gauche, moi. On va voir. Alors, un slime et un slime de merde. Même pas mal, histoire de piocher, se mettre de l'armure et se bloquer justement les 8 dégâts qu'il se préparait à faire. Vous voyez qu'il a un tourbillon, l'autre ennemi, il prépare un statut. Négatif pour notre gueule. Putain, tu l'as démonté, mais vite. Mais... Ouais. Alors lui, voilà, c'est une attaque, mais en plus, on aura un effet négatif. Alors. Mais pas d'effet négatif vu que t'as toute l'armure. Si, enfin, si, pas d'attaque, pardon. Ouais, voilà. Blonk. Voilà. Et il nous met épuisement. Alors. C'est-à-dire qu'on se prend une carte engluée. Et vous voyez, on a pioché la blessure, ce qui nous empêche de piocher 5 cartes. On a pioché que 4 cartes. Donc. Exactement. Et du coup, on a qu'une carte attaque. Ouais. Et gardons. Voilà. Alors, les chouilles. Ça, ah oui. Frêle, on gagne moins d'armure quand on met de l'armure. Heurt, c'est bien, ça lui ouvre un peu la bite. Et enfin, oh, je dirais Heurt, défense. Ah, quoi qu'on gagne moins d'armure. Peut-être ça, c'est plus avantageux. Ouais, défense et frappe. Moi, je trouve ça propre. Ouais, d'accord, c'est vrai. En fait, on peut tempo, on a le temps. Et tant qu'on perd pas 6 points de vie, on va régène. Tout va bien. Il attaque pas donc ça sert à rien, mais bon, même pas mal qui permet de piocher une carte et une carte attaque coup de bol. Voilà. Et là, si on a deux attaques au prochain tour, il est mort. Ou un hurt. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire encore une. Ou les chouilles, ouais. Il est affectueux. Très. Allez, affectueux. Deux attaques. Ah, ah ça, c'est bon, bah ouais, mais garde. Hein. Et puis on va prendre deux, et puis avec ce qu'on aura bouffé, je pense qu'on va régénérer 2 points vu qu'on aura perdu. 4, ouais. Ouais. C'est ça, en effet. En tout et pour tout. Tout. Oui, c'est un jeu des maths, hein. C'est sûr, faut suivre. Ouais, mais le frais, voilà, très bien. Voilà. Alors, normalement, on gagne plus d'or. Donc, 5, il y a 5 d'or en plus. Attends, d'accord, ok. Potion de vitesse, 5 de dextérité, c'est pour booster la dextérité. Ouais. Dextérité augmente l'armure gagnée par les cartes. Exactement. Alors, attaquer 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. Okay. Une petite frappe qui est chironique, ça. L'ennemi perd 2 de force avec l'autre, c'est quoi le désarmement? Ouais, oh, non, je suis pour la frappe chironique. Ouais. Honnêtement. Vulnérabilité, c'est plus 50% de dégâts à tout le monde, mais c'est tout le monde qui bouffe ça et qui prend 4 dégâts. C'est propre. Donc c'est après, que pour savoir, ce tour. Hein, faut savoir une chose, l'épuisement, c'est quand vous jouez une carte, elle disparaît de votre deck jusqu'à la fin du combat. Ah, d'accord, donc ouais, c'est carrément pas rentable. Frappe chironique, clairement. Mmh. Je dirais de partir à gauche parce qu'il y a Strom, et après c'est ouais, point d'interrogation. Ouais, c'est clair. C'est très rentable. Allez, partons là-dessus. Un étrange, ah bah tiens, à ton tour, tiens, pour la peine, je veux boire un coup. Allez, ok, attends, je me mets dans une position les voix, favorable. Les voix. Un étrange humanoïde bleu portant un homme doré s'approche de vous en vous adressant un large sourire. Bonjour, je m'appelle Claire, puis-je quelque chose pour vous ? Crie bruyamment la créature. Salut Claire, moi c'est Philippe. Alors, mais c'est pas très clair. 35 alors, d'or, récupérer 20 PV. Non, mais direct, on retient. La malédiction, on la retient ah, direct. Ah ouais, pour 50 balles, alors qu'on a gagné 75, on c'est peut propre. Retirer, ouais. C'est propre. Il nous retire la blessure. Et bah voilà. Ah bah reviens. Ah mince. Bébé. Une flamme bleue et froide enveloppe votre corps avant de se dissiper. La créature sourit. Claire a un talent. Passez une bonne journée. Ok.
Bon talent, gros talent, hein, allons-y. Alors, du coup, élite, hein. Ouais, élite par terre, ça nous donne double point d'interrogation. Et puis surtout, et ça va nous donner une relique. Oh l'enculé. Alors, lui. Bah vas-y, je te laisse. Apparemment, lui, à chaque fois qu'on utilise une carte compétence, ça augmente la taille de son pénis. Ce qui fait qu'en fait, il gagne de la force. Donc, faut pas trop claquer des cartes compétences, sinon ça m'énerve. Quoi qu'il a pas encore le buff. Oui. Là, il l'a. Enragé, très bien. Donc il gagne 2 points de force, c'est-à-dire toutes ses attaques ont plus 2 d'attaque à chaque fois qu'on utilise une compétence, pas une attaque. Donc ouais, et peut-être une... Ah, pas de défense. On va bouffer 6. Ouais, on choisit de bouffer 6. 6, c'est pas grave. De toute façon, face à un monstre élite, vous allez pas réussir à conserver... Ouais, c'est vrai que... 21, aïe aïe aïe. Là, il va falloir faire quelque chose. Là, c'est problématique. Attends. Bon bah, défense, de toute façon. Défense, ouais. Frappe Kéroni. Putain, il a pris 3. Ouais. Ah ouais, non. Ouais, frappe Kéronique parce que c'est une attaque. Puis ça l'affaiblit pour ce tour. Voilà. Et frappe derrière. Et là, on va bouffer 19 PV dans la gueule. Ouais, mais c'est propre. C'est la vie. C'est propre. Bleu. Putain, t'as blanc. Putain, mais 24 encore. Encore. Bon, bah, même pas mal. Défense, défense. Ouais, what is the fuck. Temporisons, 27. Temporisons. Non, mais là, il faut attaquer. Putain, mais non, ouais. Non, on va attaquer parce qu'il faut le descendre quand même. Là, on va se prendre un petit 27. 19. Mais 27, quoi. Waouh. Ah, ça y est, il se recalme. C'est bon, il se calme. D'où Jésus, hein. Alors. Non, on va connaître fort. Ah, merde. J'aurais dit Hurt pour le. Ouais. Mais là, voilà. On... Non, mais tu augmentes sa force. Ouais, je sais, mais bon. Quand tu mitiges. Il lui reste 12 points de vie, donc on peut se permettre. Il met vulnérabilité, ce qui est pas bon du tout, parce que là, il va nous mettre du dégât, donc il faut absolument l'achever. Non, il faut draw avec même pas mal, et espérer que ça passe. Ça passe pas. La frappe, si, la frappe! Oh le con! Je l'ai pas vu la fois. Oh le clan! Ouais, attends, oh le clan! Ah bah non. 33, 18, 8. Oh c'est la mort! Mais putain, mais attends, il y a B? B? Non, c'est pas marche. B! Oh là là, je suis désolé, les amis. Ah, c'est pas grave. C'était une erreur de débutant. C'est pas grave, c'est le misclick. La fatigue, hein, quand on exploite le GR. Ouais, ouais, bah que veux-tu? Grève! Et là, on meurt? Ouais, je pense que là c'est propre. Toi, je sais pas. 18 plus 8, ouais. Bleh! Bon, ok, ouais. C'est bon, c'est les maths, mais bon voilà, c'est le principe, hein. De toute façon il faut passer les premiers niveaux, une fois que vous avez passé, vous avez un bon stuff, ça peut bien se passer. Allez, mais là on est mort comme un caca, on réessaye, on y croit, on était pas loin, c'était le tutoriel, bonjour, ouais c'est ça, bonjour, ouais. Essayons, ouais, ta gueule, ouais, c'est bon, ouais. Alors du coup... Voix du milieu direct, j'ai envie de te dire. Attends, milieu, milieu droite. Et monstre, ouais. Milieu droite. Ouais, enfin, et strum, ouais, attends, je regarde, ouais, il y a quand même des bonnes routes, là. Moi je dirais milieu. Mais là c'est propre hein, tout ce qui est. Ouais, j'avoue que là on commence pas de combat pendant longtemps, mais enfin on se tape ce monstre, mais c'est tout quoi. Allons-y, commençons par ce Pokémon. 11 d'attaque. 11 d'attaque, ça arrive bien. On temporise. Excusez, ça a bien se passer, brave Jean, ça a bien se passer. C'est un tétard, tétard avec la moitié de tes points de vie. C'est ça, on s'est laissé surprendre par le méga Pokémon. Nous a démonté. Voilà, là il a vulnérabilité pendant 2 tours, donc on va lui faire grave de dommages. Mm-hmm. Si on a 3 attaques, il est mort. Ah, pas dit par contre. Ouais, là il va falloir que tu tempo un peu. Temporise. Et on pique. C'est propre. C'est propre. 3 attaques, il est mort. J'ai perdu un PV quand ça. Il était qu'à 11 au bout de tour. Et là on inflige même pas des dégâts suffisants et de toute façon ouais, il va 3 frappes là, vas-y. Voilà, on va tout mettre. Et tant que tu perds pas plus de 6 PV, ça a aucune incidence. C'est vrai. Bon là il te faut 2 attaques. 2. Ouais c'est bon. C'est bon. Non même pas ça. Ouais. Fils 6 pour l'affaiblir, puis voilà. Très bien, 14 balles, allez. Une carte. Alors, frappe Kéronique, second souffle, épuiser toutes les cartes pour gagner 5 armures par carte épuisée, mais ça les épuise, donc après elles en reviennent plus jamais. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas top. 3 de faiblesse et de vulnérabilité sur tous les ennemis. C'est propre ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça va dans à peu près n'importe quel. Et ça, invulnérabilité à tout le monde et 4 de dégâts. C'est pas mal aussi. Mais celui-là est sympathique parce que, ouais, vraiment, ils affligeraient 25 de dégâts au moins et 52% de dégâts supplémentaires pendant 3 tours. Ouais, par contre, c'est 2 points sur 3, c'est l'investissement. Mm. Moi, je préférerais presque la frappe Kéronique presque. Ouais. Écoute, vas-y, je te fais confiance. De toute façon, j'ai merdé. J'y crois, j'ai foi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est un jeu au calme. La flaque visqueuse. On gagne du fric, c'est gratuit. Des bisous. Allez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous pénétrez dans une salle et remarquez un grand trou dans le sol. Tandis que vous vous approchez du trou, une énorme créature serpentine en émerge.
Oh, bonjour, bonjour, Kavonoa, bonjour, je vais vous poser une simple question. Il n'est pas de vie plus satisfaisante que celle où l'on peut tous offrir, êtes-vous d'accord? Alors, doute, à la fin du tour, gagnez un de faiblesse et recevez 175 ans. Non, mais là, il n'y a pas à chier. Ouais, c'est worse. Hein. Moi, je doute pas. Ouais, je doute. Moi, je doute, vive l'argent. Super, ça s'annonce très prometteur. Voilà, du coup, on a le doute, mais on a du blé. On a été payé pour... On peut aller au marchand, direct. Direct, hein. Direct, ouais. Plutôt que le point d'interrogation, hein. Ça me paraît... Oui, et puis de toute façon, tu auras un autre point d'interrogation. Oui, voilà. Puis au pire, on peut payer 75 balles pour se faire retirer le doute. Alors. Bienvenue. Oh putain, alors, regarde les reliques d'abord. Les reliques qui sont là. Au début de chaque combat, gagnez 3 d'épines. Non. Propre. Gagnez 30 or. Vous avez 10% de chance de trouver un trésor dans les salles, point d'interrogation. C'est propre. Et l'autre? Et donc ça coûterait que 124 en fait. 160 bits. Ouais. Quand vous cassez l'armure d'un ennemi, appliquez 2 de vulnérabilité. Hey, oh. C'est pas si mal. Hein. Et enfin pour les cartes, les potions de toute façon on en gagne assez, c'est complété. Coup d'avance, piochez 2 cartes puis placez une carte de votre main sur l'eau de la pioche, épuisement, c'est pas mal. C'est propre ça. Sombre chaîne, l'ennemi perd 9 de tour pour le reste du tour, 9 de force pour le reste du tour, c'est pas mal. Ça sert. 100%, enfin, j'ai 18 dégâts mais ça coûte moins cher pour chaque dégât ouais, que tu prends avec. Mais là le reste, on n'a pas encore des cartes pour se faire un deck, donc vaut mieux partir sur des reliques. Ouais. Parce qu'en fait il n'y a rien qui te donne l'idée de faire un deck là. Ouais j'avoue. Perceuse ou coffret? Franchement le coffret est propre, surtout en début de jeu. Coffret ça, c'est l'appel d'autres reliques donc c'est propre. Hein, franchement. Mais 10% hein, c'est faible, alors que ça t'es sûr que des ennemis qu'on va péter des armures. Ah, tu peux prendre les deux non? Ouais tu peux. Ah non il va te manquer un gold. Ah je suis deg. Ah bah non regarde. Oui, je prends le coffret, vendu, normalement je gagne du fric, voilà c'est super. Et du coup voilà. Hop ouais, là, on est saucé. Voilà, on aurait pu enlever la carte du doute, mais bon. Certes. Que veux-tu? L'appel de l'argent. Alors du coup, c'était un point d'interrogation, mais il s'avère que c'est un combat, donc on est un peu dégoûté un personnellement. Peu salty, ouais. Ouais, pour ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Cet ennemi compte se buffer et il se recroqueville. Quand il attaque, quand il se met en boule, il prend de l'armure. Mais c'est bien, on va leur mettre une petite frappe chéronique à tout le monde, histoire de calmer tout le monde. Ça va débuffer là. Voilà, ça veut dire qu'on va se prendre des dommages. Et lui, on va briser sa garde, ce qui va le mettre dans un état de faiblesse. Ouais. Et ce qui va donc baisser ses dégâts. Non, vulnérabilité. Vulnérabilité, super. Tu peux te mettre en défense là pour le dernier. Ouais, je me disais ouais. C'est la propreté ça. Voilà. 5 points et pas 6, dommage. Bon, on va perdre un PV, ça va. Et là, ils ont perdu leur coque surtout. Donc c'est propre. Surtout quand une attaque, il meurt là. Ouais, une attaque chacun, c'est. Lui, il est mort. Ouais. Bref. Et là, t'as 2 attaques, c'est propre. Ah c'est bon, je pensais qu'il allait se mettre le en boule et... Non, il le fait qu'une fois. Potion de vitesse, et enfin voilà. Alors, coup de pied sauté. Si l'ennemi est vulnérable, gagnez un point d'action et piochez une carte. Direct, tu prends c'est ça. C'est très fort, ouais. 7 points d'armure, épuisez une carte aléatoire, non. Et tenacité, ajoutez 2 cartes play, mais gagnez 15 en armure, ça sauve. Mais par rapport à Théorie, coup de pied sauté, c'est juste... Coup de pied sauté. Coup de pied sauté. Et du coup, le strum, on y croit. Est-ce que c'est le même? Ah merde! Oh merde! Bon ben voilà. Écoutez, hein, on va pouvoir tester. Heurt, affligé 2 de vulnérabilité, donc c'est bien. Bouffe. Et en plus derrière, coup de pied sauté. Et donc on gagne un point et on tire une carte. Ce qui nous permet d'attaquer encore plus derrière. Vous voyez, ça se fait. Ouais, c'est propre. This is proper. On lui a mis 24 de dégâts quand même. Et 2 de vulnérabilité, donc. Alors du coup, il attaque à 14. 14 encore, on peut bouffer, un doute. Et on va prendre un de faiblesse. Bon, bah merde. Allez, on frappe. Il faut le taquer. Ouais. Frappe, défense, je pense. Défense, tu veux dire? Moi j'irai double frappe, donc là il est oui, affaibli. Oui, frappe, défense. Ouais. Bon, ouais, bah bon, on fait 11, mais. Ouais, mais c'est bon, voilà. C'est bon. On aurait pu utiliser la potion qui aurait augmenté encore de 5 l'armure, mais bon, je préfère pouvoir prendre un gros coup si jamais il en a un. 16, et il est plus vulnérable. Mais on a encore la carte. Ah, bah, pas mal, regarde. Frappe chéronique qui fait des dégâts et qui le vulnérabilise. Coup de pied sauté qui nous rend les points et qui permet de piocher. Frappe dans sa bouche et une défense. Ouais, ou tu peux mettre le heurt même. Bah non, ouais, mais il est déjà vulnérable. Ouais, mais là, au prochain tour, il le sera plus, quoi. Ouais, mais il va nous mettre 16. Oui, il va nous mettre 16. Donc j'ai envie de presque dire potion. Ouais, potion ça. Défense. Hein. Défense tout court, en fait, ouais. Mais c'est vrai qu'on est vulnérable en plus. Enfin, on est faible. Ouais. Du coup, on perd cet avantage. Mais comme il est vulnérable, au final, c'est équilibré. Non, c'est vrai, la défense était. Potion, hein. Potion défense. Hein. Allez, allons-y, de toute façon, vous voulez claquer. Hop là, et du coup, 10 d'armure. Voilà. Ce qui va mitiger grandement
grandement les dommages et on peut quand même lui en mettre une dans la bite. Voilà. Ce qui le calme. Ouais, le but étant de tuer quand même le plus rapidement possible. Oui, oui, tout à fait. Il faut temporiser. On a pris, mais ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a le doute. Ah. 3 attaques. 6 x 3, 24. 6 x 3, 18. Qu'est-ce que je dis ? 18, ouais. 18, malheureusement, ça n'a pas passé. Donc, défense peut-être. Donc, attaque, défense. Ouais. On va être affaibli. C'est pas le plus idéal, mais bon. On va se prendre un petit 7. Le doute qui vient quand même de nous popper deux fois. Hein, ouais. Ah, mais on a très peu de cartes aussi, c'est pour ça. Hein. Le doute qui est assez malsain, je dois l'admettre. Là, il va nous mettre 32 dommages. Y'a pas moyen de le buter? Non, y'a pas moyen. On peut lui mettre 8 de dommage. Ah, on peut bloquer. On peut bloquer à 15. Ouais, mais regarde, game 3. Ah merde. J'avais pas remarqué. Ouais, il frappe au moins le prochain tour. Écoute, il nous met 26. C'est pas mal, 26. Hein. Ouais, ça fait très mal. Ouais. On bouffe. Mais c'est pas grave. Un gros là, boss. Il faut le tuer. Allez, là, par contre, il meurt. Là, c'est fini. Là, c'est fini, Georgette. Voilà, voilà drop kick. Voilà, drop kick hurt. Voilà, c'est bon. Merci. Propre. Voilà, très bien. Alors, attrape. Lorsque vous reposez, vous pouvez ajouter une carte à votre deck. C'est cool. Ça, c'est bien. Une carte à votre deck. Alors, même pas mal. Volée de coups, infliger 2 dégâts 4 fois, c'est très bien quand t'as des multiplicateurs de force. Lame infernale, c'est cool. Ça permet d'avoir une carte attaque au pif. Mais même pas mal est quand même assez pété. Ouais, même pas mal. Pour même pas mal. Il en faut au début. Il nous faut un peu d'armure, ouais, c'est clair. Très bien. Du coup, soin. Ouais. Ouais, gauche. Ou amélioration même. Non, repos. Vu qu'on a gagné une carte en plus, c'est gratos. C'est vrai. Quoique, attends, si on part sur la voie de droite, qu'est-ce qu'on a? On a point d'interrogation, coffre, point d'interrogation, monstre, gros démon. Ou alors on part à gauche et on a feu, monstre, coffre, monstre, point d'interrogation. Ouais, bon bah, c'est à peu près la même chose. Allez, feu, ouais. Vaut mieux quand même feu. Pour gagner un peu de points de vie, histoire mieux de safer un peu. Histoire d'être frais. Voilà. On a un attrape-rêve. Oh, l'attrape-rêve. Et vous saccage, infligez 8 dégâts. C'est bien. Quand vous la jouez, ces dégâts sont augmentés de 5 pour ce combat. Ah putain, c'est bon ça. Ouais, c'est propre. Surtout si on n'a pas beaucoup de cartes. Oui, saccage, c'est bien. Cumulatif à mort. Et on a regagné plein de points de vie, c'est cool. Du coup, La direct frappe qui ironique. Ouais, Earl, ça le tue, hein. Ouais. Earl, ça le tue. C'est gratuit. J'irai Earl. De toute façon, frappe ironique, ça remet vulnérabilité, mais que pour ce tour. Donc. C'est pas utile. Peut-être même pas mal. C'est pas... Tu peux même arrêter là en fait. Oui, allez, mets la frappe. Ouais, on la met, voilà, mais c'est pour lui faire plaisir. Les chouilles. Il est mignon. Ouais. Il est mignon le Pokémon. Ça cache dans sa bouche. C'est fini. Il nous les chouille. Ah, il nous les chouille la bite. Ça, c'est un bon monstre, ça. Ça, c'est Kali, ça. Pas, hein. pour le prestige, drop kick. Ce moment où t'es obligé de nettoyer ta chaussure derrière. Quoi. C'est ça. Colère, infliger 6 dégâts et ajouter une copie de cette carte à votre défausse. Alors ça, c'est très pété. C'est bien, mais il y a la frappe du pommeau aussi. On est toujours dans la pioche. Et la pioche, il nous en faut au début. Et c'est un peu l'équivalent armure-piochage, quoi. J'aime bien la colère, moi, perso. Hein, La colère est bien. Elle revient. Mais pour qu'elle soit efficace, la colère, il faut qu'on ait de la pioche aussi. Ouais, j'avoue. Frappe du pot, ouais. Allez. Très bien. Coffre, voyons voir, on y croit. Un service à terre antique. Après avoir atteint un site de repos, commencez le prochain combat avec 2 points de mana en plus. Très bien. Cool. Alors. Si on veut se taper l'élite, il faut aller à droite. En fait, ça revient. Ou on peut avoir une élite à gauche, de toute façon. C'est juste qu'à droite, on a 2 combats et 1 point d'interrogation. À gauche, on a 2 combats et 1 point d'interrogation et un marchand, quoi qu'il advienne. Donc moi, je regarde juste la route finale. Bah, la meilleure route, c'est le marchand derrière. Quoique non, même pas, en fait. Si on se tape l'élite, on se tapera automatiquement un monstre, un feu derrière. Donc c'est exactement les mêmes routes, quoi qu'il advienne. Ouais, mais le marchand... Bah, non, on passe par le point d'interrogation et après, on verra. Ouais, je sais pas. Allez, go, on arrête de douter. Ne doutons pas. Bah voilà. Un coffre gratos, ceinture de potions, voilà. 2 emplacements de potions supplémentaires. Cool. Parfait. Bon, après, c'est pas le top. Oula, qu'est-ce que c'est que ce prêtre à la con? Ça va. Bon, bah, saccage direct, hein. Faut la jouer. Frappe chéronique déjà. Quoique. Saccage, ouais. Armure. Frappe chéronique, saccage et armure. Hein. Ouais. Frappe chéronique, saccage pour plus de dégâts. Et armure. Elle prend un peu, mais pas beaucoup. Ouais, c'est cool. Ils griffent, les petits monstres, ils griffent. Ça griffe avec leur papate. Ok, très bien. Il attaque à 7 toujours. Frappe du pommeau. Même pas mal, histoire de le calmer déjà.
Oui. Tu pioches. En fait, le but, ça va être de lancer la pioche. J'ai pioché le doute. Non, mais lance la pioche, parce que plus vite on a la pioche, plus vite on a le saccage. Nous avons perdu 4 points de vie en tout pour tout. Ah, mais non, on a le. Ouais, c'est vrai que donc tout va bien, je vais même plus attaquer deux fois. C'est bêtement, j'ai regardé. C'est pas grave. Non, c'est bien. C'est fait. On va pas saccage. Heurt, coup de pied sauté, parce que ça nous permet de draw et notre frappe. Mais là, je vais armurer par contre un peu. Ah ouais. Et là, malheureusement, on va bouffer plus qu'on aurait voulu. On va bouffer 7, donc plus 2 points. Ouais, ça fait mal. Ça fait 9 en tout. On récupère 6, donc on aura perdu 3 à la fin du combat. Et là, tu vas pouvoir jouer saccage. Ah, mais non, toujours pas. Non, pour l'instant. Ah, frappe du pommeau, frappe. Non, d'abord ça, ouais. Parce que ça nous met le 8 PV qu'on veut, et ensuite saccage à 14. Blé! Voilà, parce qu'il était affaibli. Tout va bien. Potion de l'énergie, c'est cool ça. Corruption, lame lourde et cri de guerre. Corruption, les 4 compétences coûtent 0 quand on joue un jeu, elle s'épuise. Non merci. 14 dégâts, la force ajoutée à la lame lourde est multipliée par 3. Ça pourrait être pété, mais malheureusement on n'a pas le stuff pour. Et cri de guerre, c'est quand même pratique, hein, c'est la pioche. C'est bien. Après, la lame lourde, franchement, elle est toujours très propre dès qu'on trouve de la force, quoi. Et on va quand même essayer de trouver de la force. Sur quoi, quelle build tu voudrais faire en fait? Aucune idée, hein, dès qu'on a une carte, on y va quoi. Mais là pour le coup, je me serais dit cri de guerre, tu vois. C'est possible. Cri de guerre, écoute. Tu disais, il nous faut de la pioche. Allez, continuons sur la pioche. Faisons-nous confiance. Croyons en notre chance. C'est quoi cette armée là? Tu as le. Eh bien entendu, t'as pas le bon. J'ai pas la frappe chironique. Par contre, j'ai le Hurt qui pourrait en tuer un d'office. Par contre, ils vont nous attaquer tous à l'infini en fait, donc il faut que j'en bute un en fait. Bute le plus gros, celui qui attaque à 5, ouais. À 12, ouais, 5. Ouais, ouais, parce que 5 points, et puis derrière tu lui fais un petit coup de pied, ouais. Drop qui tue ! Ça le tue, et on tire une frappe malheureusement, donc ça passe pas. Donc l'armure quand même. Ouais. L'armure. On peut boire la potion pour 2 d'énergie et en buter un de plus. 6, ouais, bah fais-le. Ça me paraît bien. Ah, non, autant tuer un 5, ouais. Bah celui-là, ouais. Qui est dommage. Et on se prend 6 de dégâts dans la gueule et une faiblesse parce qu'on a le doute, faudra la retirer cette carte. Ouais, elle va commencer à nous emmerder. Non, ça va, honnêtement, ça va. On a bien fait le ménage. Les bonnes reliques. Frappe chironique, ça par contre, c'est idéal. Il y a même pas mal. En plus, il n'attaque presque pas, donc on peut leur mettre plein la gueule. Lui, là, rien qu'avec. Non, celui de droite, là, tu peux le tuer. Déjà. Non, parce qu'on a 6 de dégâts. Ah, mais on a la faiblesse, putain. On a la faiblesse, malheureusement. Donc à la rigueur, même pas mal déjà pour voir ce qui sort. Cri de guerre parce qu'on veut voir ce qui sort. Saccage qui fait le ménage qu'on veut bien. Du coup, ça coûte 1, saccage. Ouais, balance une frappe. Je vais mettre une frappe sur le château. Même plus saccage qui va pouvoir le tuer. Ouais. Et du coup, on n'aura pas de dégâts. Ils vont nous mettre un debuff, mais bon, on y croit. Ouais, c'est debuff épée brisée a priori. Ouais, ils ont pas autre affaibli. Chose. Non, ils ont pas autre chose, donc c'est propre. Très bien. Par contre, ils perdent l'affaiblissement, donc ça va être difficile, il va falloir mettre 2 attaques chacun pour les buter. Il y en a un que tu peux tuer et l'autre armure, quoi. Attends, c'est bon, tu pioches une carte. Le doute. faut vraiment qu'on se débarrasse de cette merde. Ça devient, mais critique. Bah, genre, bravo, ça devient critique. Tout va bien. Allez, on en finit avec lui. Ouais, voilà. Allez, des bisous. Des bisous, j'ai dit. Quand même, à la dissidence de ces monstres, une carte supplémentaire, barrière de flamme, une autre frappe chironique, virilité, 12 d'armure, c'est pas si mal, hein. C'est propre, c'est 2, c'est vraiment la grosse défense, quoi, si jamais. C'est... Ouais, mais... Alors, on part sur un build beaucoup de pioches, donc est-ce que t'as envie d'avoir ça en main? Peut-être une autre frappe chironique. Ou la virilité. Virilité moins. Ouais. Épuiser une carte aléatoire, ça m'excite pas. Hein. Frappe chironique, ou sinon on prend rien, franchement il y a rien de propre. Ouais. Bah, frappe chironique, c'est bien d'en avoir une toujours, c'est pratique. Alors, boss ou marchand, vraie question. Hein. 160 balles autant. Je dirais marchand. On a déjà plein d'items pour un premier niveau, c'est cool. On a peut-être pas de build, mais c'est pas grave, et du coup on peut acheter des trucs comme ça, et surtout on peut déjà claquer 75 balles pour virer cette carte du cancer. Attends, non, il y a mieux. Il y a la l'oricalque, mec. L'oricalque. Si vous mettez fin à votre tour sans armure, gagnez 6 d'armure. C'est vrai. Propre, hein, franchement. C'est vrai, c'est très propre. Je pense qu'il vaut mieux le claquer là-dedans, et tant pis pour le doute. Un secret, c'est très bien. Bon, bah ouais, t'as raison. Oricalque, allez.
Oricalc, c'est quand même le service pratique. De tant pis, hein, voilà, c'est ça, on aura le doute jusqu'à la fin de nos jours. Qu'est-ce que c'est ? Vous découvrez un aventurier mort gisant au sol. Quelqu'un a volé son pantalon. De plus, son visage et son armure semblent avoir été dévorés par les flammes. Même si ses affaires sont intactes, vous n'êtes pas d'humeur à enquêter sur ce qui s'est passé. Allez, on fout de moi, je pense. Trouvez du butin, 25%, le monstre revient. Le monstre est revenu. Bon. C'est un élite en plus. Pas de chance. Pas de chance, alors, pas de chance. Alors, ça cache direct, hein. Ouais, non, frappe chronique va virer tous leurs buffs à eux. Ouais. Saccage, défense. Ouais. Frappe, voilà, regarde, frappe chronique, défense, défense, c'est quoi ? Bah non, le saccage, il faut que tu proc, là, vu que c'est des élites, le combat va durer longtemps. Bon. Ils ont un artefact, ça les protège contre le changement d'altération d'état, ce qui fait qu'on ne les affaiblit pas. C'est voilà. Dommage. Mais bon, on met plein la gueule quand même, parce que ça fait plaisir, et on met une armure. Ah bah non, j'aurais pas dû la jouer, j'ai 6 d'armure avec le Richalk. Bah oui, c'est très con de ma part. Ouais, bah oui. C'est pas grave. Là, on vient de se faire voir. Mais bon, c'est... On a perdu un PV. C'est pas grave. Donc, ils nous mettent des buffs avec des cartes injouables. Ça les éclate bien, là. Hein. Ouais, ça va être un problème. Hein. Parce qu'on a des doutes. Par contre, bon. Frappe chironique, coup de pied. Alors, même pas mal. Ouais. Frappe chironique, coup de pied. Alors, toujours sur le même. Ouais, toujours le même, il faut l'affaiblir. Ouais. Coup des pieds. Même pas mal. Ondro. Et enfin. Coup de pommeau. Coup de pommeau hein. Ou armure. Ouais, c'est vrai. Que... Quoique coup de pommeau, c'est agressif. 13 dégâts, par contre, ouais. Malheureusement, ça suffira pas. Ah non, si. Non, ça suffira pas. Mais bon. Fuck. Cri de guerre, on peut y croire, épuisement. Mmh. On enlève le doute, mets-le sur le dessus. Mais non, mais je vais pas le mettre sur le dessus à piocher. On n'a pas la faiblesse là pour le moment. Ah, mais ça veut dire qu'on l'aura au prochain tour. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as raison. C'est vrai. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai qu'au prochain tour, on peut encore frapper. Bon. Je sais pas si c'était. Ouais, si c'était. Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut. Bullshit. Les lasers, on perd. On va se prendre 8 dans la gueule. Et on se prend encore 2 événements du cancer du cul. Alors. C'est pas grave. Bon, bah, on peut dégommer déjà Michel. Fou, bon, bah, super deck. Ouais. Bon, en même temps, il y a plus que lui qui attaque. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Après, il va falloir se concentrer sur un autre. 27, ouais, c'est lui. Ouais, lui, c'est le plus simple. Allez. Voilà. On a le doute. 6 d'Orichal. Il faut s'en souvenir, l'Orichal. Encore des cartes. Quand on va se reprendre le deck, 25 en bas, 27. On va avoir tellement de cartes. Ça y est, c'est reparti. Alors là, on va commencer à les draw. Oh là 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 là. Bon, au moins c'est lucide. On sait quoi faire, voilà. Ah, j'aurais pas dû la jouer. On gagne 6. Encore une fois, c'est une erreur. Nos cartes sont trop pourries. Ouais, l'Orichal fait le café. Fait le café. Allez, saccage. Parfait. Ça cache, ça le tue. Ouais. Ça le tue, Dieu merci. Et en plus, au prochain tour, tu auras peut-être un. Même pas mal. Rush. Voilà, frappe du pommeau, mais après, je pourrais rien jouer, j'imagine. Ouais, mais c'est pas grave. Et je passe pour 6 d'armure, de toute façon. De toute façon, j'ai 8 d'armure, mais là, ça change rien. De toute façon, t'as plus de points de mana. J'ai plus de points. Ouais. Alors, encore. On a réussi à s'en sortir quand même, ça, c'est enfoiré. Hein. Ça s'est bien passé. Bon, là... ça devient un même internet à ce niveau-là. Putain, avec le doute. Bien sûr. Mais bon, 6 d'armure, donc ouais, 2 points de dégâts. Ouais, non, c'est bien. Faudra dormir quand même, hein, au prochain feu de camp. Voilà. On n'a pas encore trouvé de run, hein. Il faut savoir que ce genre de jeu, bien sûr, ça se fait vachement à la RNG. Hein. Faut trouver... C'est comme dans Isaac, faut trouver les bons combos. T'avais commencé à regarder sur le net Un peu, ouais, attends. Améliorer 2 attaques aléatoires, pierre à aiguiser, pas mal ça. Bah ouais, de toute façon, on a pas le choix, mais c'est bien. Frappe chironique et coup de pied sauté. Ah, cool. C'est propre. Ajouter une attaque à votre jeu. Alors, combustion, à la fin du tour, perdez un PV, infligez 5 dégâts à tous les ennemis. On peut en prendre une. Et frappe chironique. Je pense que les frappes chironiques, on en a. Combustion. Donc, combustion, c'est bien parce que si on tombe ensuite sur une carte qui nous permet de gagner de la force par rapport au nombre de fois où on se prend des dégâts, ça peut être pas mal. Donc, du coup, repos. Parce qu'on a besoin de vie. Mais non, ah ouais. Non mais ouais, il fallait. Faucheuse, très bien. Bonne carte ça. 4 dégâts à tous les ennemis et on se soigne du dégât non bloqué. Par contre, épuisement malheureusement. Mais, voilà, quand il y a plein d'ennemis dès le début, bref, tu balances ça, ça régénère très fort. Ouais. Très très propre. Ouais. Et bah le boss, premier boss. Oh le gros slime. Ah. Le gros slime du cul. Alors on a combustion. Il va tenter de nous jeter un PC. Là, je réfléchis, je me dis que tu veux frappe chironique. Attends, d'abord frappe chironique de Daz. Voilà, histoire qu'il se prenne 4. Et frappe chironique améliorée. Ah, il se prend pas plus. Bon, tant pis.
Mais au moins, voilà, ça l'affaiblit. On prend combustion qui nous fait perdre un PV et inflige 5 dégâts à tous les ennemis parce que, eh ben, c'est rentable. Et on a des points à mettre partout, mais on s'en fout, on va garder nos cartes. Vu que de toute manière, il n'attaque pas, il va nous mettre un debuff mystique. Ouais, alors il y a un truc à savoir avec le slim. Parle dans le micro, parce que sinon ça marche. Ouais, il y a un truc à savoir avec le slim. Ah, attendez, bah, je vais m'asseoir, vas-y, commence. Vas-y, vas-y. Donc là, ce qu'il y a à savoir avec le slim, je vole hein, la connaissance de Jial, c'est que ouais, lorsque ses PV descendent en dessous de 50%, il se sépare en deux slims plus petits avec les PV restants de par un slim. C'est-à-dire, et là, il a 140 PV, donc à 70. Il se divise en deux avec deux mobs à 70. Mais si on arrive à le ramener à genre 20 points de vie en un seul tour, et ben il se divise en deux avec 20 points de vie. Et donc là on l'exécute, tu vois. Voilà, et ça c'est propre. Après il y a une deuxième chose à savoir, c'est que il se divise deux fois. Oui, c'est vrai. C'est que les enfants slim se divisent encore en bébés slim. Donc c'est très important. Il nous a mis la première fois de pas se planter. Il nous a mis du sperme partout. Il est encore affaibli, donc on peut lui en mettre plein la gueule. Frappe frappe. Pomo frappe frappe, ouais. Alors, c'est vers les 70 qu'il faudra se mettre. À 70, ouais. Et faut compter 15, là. Et bah là, il vaut mieux que tu le descends tout de suite, sinon tu vas te prendre une belle attaque. Saccage, tu l'as déjà envoyé? Non, pas encore. Mais il est pas encore affaibli, donc ouais. Saccage, 6, 6, 12, ça fait 20 dégâts, et il se prendra 5, donc 25. Et donc là, il va tomber à 55. Donc, c'est pas déraisonnable. C'est... ça va. Voilà. En faisant ça, regardez. On l'affaiblit assez et il va changer de pattern et il va se poser des questions et voilà. Se dire ah, et si je me divisais en deux ah. Au récalque bien sûr et enflammement 60. Le calcul, c'est pas pardon, j'ai rien dit. Alors, deux mobs à 60 qui vont encore eux-mêmes se diviser, donc c'est quand ils arrivent à 30, mais il y a moyen de les perfer. Ils vont pas attaquer pour l'instant, donc on va leur mettre un hurt et un coup de pied sauté parce qu'on les enchaîne, tu vois. Ouais, c'est trop. On gagne encore une frappe qui attaque à 6. C'est bien. 39, il faudrait pas plus. Ils vont 5 encore hein, avec la combustion. Ouh, on aurait pu se faire avoir. Et on se fera avoir au prochain tour, c'est sûr. Oui, c'est pour ça qu'il faut le finir. Ou l'affaiblir le plus possible, mais là, ce qui se divise dans de la merde en fait. C'est saccage fait plaisir, mais on est affaibli hein, malheureusement. Ouais, on est saccage. Frappe chéronique, saccage. Et frappe. Ouais. Frappe chéronique, voilà, il tombe à 30 et il se dit si je me divisais, tu vois. Saccage pour lui faire grave de dégâts et frappe normale. Ce qui va ramener deux mobs à 10 PV. C'est-à-dire en deux tours ils vont se faire wipe par la. Ah non, 5 PV vu que la combustion. Voilà. Et du coup il va y avoir deux mobs à 5 PV qui vont mourir à la fin de ce tour. C'est propre. Parce que voilà, parce qu'on a la combustion. Parce que c'est honnête. Honnête monsieur le juge, il n'existe pas. Non, faut s'occuper. Et faucheuse, parce que c'est garanti là. Moi, je dis faucheuse même pas mal. Et on absorbe ouais. Tous les dommages. Allez, on fait ça. Même pas mal déjà pour savoir ce qu'on pioche. Bon, on est englué, c'est pas grave. Mais la faucheuse, et du coup, 3x3, 9. Et on a 6 d'armure, quoi qu'il advienne à la fin. Ben non, on a mis le même pas mal. Donc on a 6, on a 9. Écoute, 9 et 6 d'armure, ça fait 15. Et donc on va perdre un PV, malheureusement. Ah, bah, plus le 1 de combustion, c'est sûr. Mais bon, globalement, c'est quand même rentable. Ouais, on est bien là. On est bien, pas oublier qu'il se dédouble encore là. Mm-hmm. Balance, mais là, ouais, frappe chéronique, frappe normale. On est encore très affaibli. Donc, tant pis pour les PV, mais on va pas pouvoir l'affaiblir plus. Mais la combustion va faire que bon. Ouais, tant pis, on doit en faire. De toute façon, l'oricalque est mieux que nos armures. Oui, alors ouais, ça il faut bien se méfier. Séparation, 2 à 23. Allez, ça se fait. Ça va, il s'en sort bien. Ouais. Ça se fait, ça se fait. 17 quand même, hein. Oh. Mais c'est pas grave parce que si on base boss, de toute façon on revient à 100% de notre vie. Ouais, d'accord, on peut se mettre 10 d'armure, mais on peut aussi être agressif. Ouais. Je propose d'être offensif. Ouais, 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 ouais. Même si on est affaibli. De toute façon, parce que le 8 points de damage plus 5, donc 13, grâce à la combustion. Et là on va se prendre 18 en tout, mais voilà. On revient full life à la fin du combat si jamais. Ah bah en plus on a l'armure. J'avais oublié le. C'est propre ça. J'avais oublié l'oricalc. Non, mais là c'est un combat déjà gagné. Mais qui vend quoi. On pourrait avoir des drôles dégueulasses. Bon non, c'est bon, ça se passe bien. Rien qu'avec ça, tu peux t'occuper du deuxième, le premier est mort. Ouais, c'est vrai. Ensuite, regarde, left. Et là, si on pioche un petit saccage, le coup de pied sauté, drop kick. Voilà. Et regarde, on les enchaîne, je sais pas, allez. Des bisous. C'est propre.
efficacité, inflige 10 de dégâts à tous les ennemis, c'est cool. Une carte supplémentaire. Oh barricade, on peut jouer. L'armure n'expire plus au début de votre tour. Oh. Et c'est si un on pouvoir. Part là-dessus. Ouais, ouais. Oh putain. Ouais, c'est faut se méfier. Oh là là. Faut choisir, mais on n'a pas fait de build d'armure. Ah oui, mais non, on n'a pas les cartes pour le build d'armure. Là, on a. Non, mais avec la barricade direct, on part sur du build d'armure. Sachant que la barricade, quand tu l'améliores, elle devient innée. Tour 1, barricade. Et après, on va trouver des cartes pour doubler l'armure et tout. Non, franchement, barricade, je pense qu'on peut s'amuser. Moi, je trouve que forme démoniaque, c'est quand même... Les deux sont pétés en fonction du build. Ah, c'est compliqué. Bah, écoute, si on peut repartir sur de l'ancien, c'est-à-dire forme démoniaque, et on sait que ça marche, on peut essayer d'être fou et de partir sur barricade. Forme démoniaque, voilà, 2 points de force, je rappelle la force, plus 2 de force, c'est juste plus 2 à toutes vos attaques. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Donc à chaque tour, tu gagnes plus 2, ouais. Plus 2, plus 2, plus 2, ouais. Plus 2, voilà, c'est très bourrin. Donc au bout du 10e tour, t'as plus 20, donc ça commence à piquer, tu vois. Barricade, c'est quand même, c'est ça, là. Autant la forme démoniaque, on l'a déjà bien exploité. Ouais, mais en stream, ils s'en foutent, tu vois, on est sur YouTube, là, on est là pour le vrai argent, bien sûr. Ouais, d'accord. Et puis, c'est là, à toi de voir. Bob, c'est aventure, prends la forme démoniaque, lol. Donc, bien sûr, tu vois. Je te laisse la décision. Barricade, finale. C'est sympa, mais honnêtement, je pense partir sur forme démoniaque. On a les frappes chérotiques et tout, enfin voilà quoi. Ouais, allez, on peut faire ça. Moi, je pars dessus. Je me fais foi. On ouvre un coffre qui nous offre un choix entre 3 reliques. Cache vide, lorsque vous le ramassez, retirez 2 cartes de votre deck. Ouais. Donc, la blessure, enfin le doute, voilà pour ça. Gagnez 1 point au début de chaque tour. Lorsque vous choisissez une carte pour récompense, vous en avez 2 en moins. Ouais. Bon. Et lorsque vous choisissez de transformer 3 cartes, puis améliorez-les. Ah, on peut faire ça pour changer. C'est pas mal. Oui. Non, mais dans le sens où on vire 2 défenses. Et... Genre, je la prends, et plutôt que de virer 2 défenses, on va déjà virer le doute. Il est où le doute ? Il est là, juste là. Juste il est là, le doute. On vire le doute, qui devient. Ah, d'accord, on ne sait pas. Et une défense. Une défense, t'es sûr ? Ouais. Ouais. C'est vrai qu'avec le comment ça s'appelle, l'oricalque, la défense est devenue un peu superflue. Donc même une défense, une frappe, je dirais. Non, les frappes, garde-les, parce qu'on a la force. D'accord, oui, bien sûr. Donc autant virer le plus de défense possible, dans le sens où on a l'oricalque, comme tu dis. Parce qu'on a une deuxième défense. Allez. C'est risqué, mais voilà. On a gagné Parasite. Et je sais pas ce que c'est. Ah oui, on aurait peut-être pas dû. Et enflammé, c'est de l'armure, c'est de l'attaque, de la force, c'est cool. Attends, fais voir. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Reviens. Putain, on ne saura jamais. Enflammé, alors, vague parasite. De fer. Si la carte est transformée et retirée de votre deck, perdez 3 PV max. Oh, chier. Bon, après, c'est pas un problème. Vague de fer, 7 d'armure et 7 de dégâts, c'est cool. C'est mieux que notre carte. Et en plus, elle est améliorée. Et enflammé plus, gagnez 3 de force. Ouais, j'avoue qu'on aurait pas dû transformer une carte négative. Ouais. Mais gagnez 3 de force, c'est toujours cool. Ouais, c'est propre. C'est gratuit. C'est, tu la cales, tu l'oublies. Pas mal. Allez, on peut aller à la suite. Pas mal. La ville. Alors. Centre marchand, ouais. Ouais, allez. Centre marchand, ça m'a l'air pété. Ah bah, bonjour madame. L'erreur. Le parasite, il est là. 5 x 2, donc elle va mettre 10 dans la gueule, mais on va se protéger de 6. Ou alors on met même pas mal les défenses, ce qui nous protégera de tout. On peut faire ça, même pas mal. Même pas mal, déjà on voit ce qu'on pioche. Ok, défense. Combustion, moi je dirais on l'attaque vanille. Ouais, ou frappe kératine. Ouais, t'as raison, combustion. Combustion, commençons les pouvoirs. Commençons avec les pouvoirs pétés. Voilà, ça devrait bien se passer. Du coup, on n'a plus rien, on patiente. 5 de damage dans sa gueule. Et il nous met 0. Blech, blech. Il va nous mettre un debuff. Donc, je dirais. Frappe kéronique, coup de pied sauté. Si tu as 7 de dégâts et 1 de vulnérabilité, c'est à peu près la même chose. Ouais. Même si Hurt, ce serait pour le tour suivant, ce serait cool. Mais au tour suivant, il va nous attaquer, donc va falloir temporiser, je pense. Frappe chironique plus. Coup de pied sauté. On pioche. Et frappe du pommeau. Cette dernière, ça dégâts. Bah, on lui met plein de tout dans la gueule, en fait. Ouais. 13 de dégâts. Une carte en plus. Voilà. Et vague de fer. Vague de. Non, même pas. Attends, il y a plus fort. Non, il y a pas plus fort. Il y a pas plus fort. Vague de fer. Mais j'aimerais bien la garder. Un flèche 10 de dégâts. J'avoue. Ouais. Non, et puis de toute façon, on peut pas le garder pour le prochain. Oui, non, mais tu vois, il reviendrait dans la deck à pioche à tirer. Non. Il reviendrait dans la deck de droite. Toute ta carte va dans la défausse de toute façon. Toute ta main va toujours dans la défausse. Ah, d'accord. Ah, d'accord, je comprends. Saccage. Forme démoniaque.
Forme démoniaque, parce que là, regarde, il est en train de buffer de la merde et nous, on s'en fout. Nous, on réfléchit pas. Ouais, allez. Forme démoniaque. Allez, 2 points de force déjà à chaque tour. Des bisous. Plus la défense sur les calques, on lui fait quand même un peu de dégâts. C'est propre. Voilà, il nous affaiblit, il est gentil, il se donne de la force. Mais nous aussi, on gagne du muscle. Voilà, le muscle. Enflammé pour gagner plus de muscle. Faucheuse fait que 6 de dégâts, malheureusement. Et là, par contre, on va se prendre moins 6, ça fait 15. Enfin, ça fait mal. Ouais, de toute façon, soit frappe défense, mais de toute façon, défense ne sert à rien. Non, frappe. Donc, frappe ou faucheuse. La faucheuse, faut la garder, là. Elle ne nous sert à rien actuellement. On va pas régène, on est à 77 sur 80. Ouais. Mais le truc, c'est que si on frappe simplement, on fait genre 2 points de dégâts en plus, mais on se prendra 15 de dégâts, alors que là, on en absorbe 3 parce qu'on aura absorbe 3. Ouais, mais est-ce que. On va peut-être la revoir, la faucheuse. Et du coup, on absorbera plus. Elle a l'épuisement. Ouais, tu marques un point. Tu marques un point. Donc frappons-le surtout simplement. Surtout pas de défense. Pas de défense. Touche à rien. Voilà. Donc là, on va douiller un peu. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du jeu. On est ramené à 61. 60 au prochain tour. Mais c'est pas grave, notre force augmente les muscles. Voilà, très bien. Sinon, la vague de fer est juste propre. Saccage, vague de foire, je suis en train de me dire. Hein, ouais. Alors, vague de fer, déjà, c'est propre pour l'armure. Même pas mal si on veut absorber tout. Par acquis de conscience. Et saccage, ouais. Pour rester frais. Et puis saccage parce qu'on lui casse la gueule. Ah mais on aurait pu le tuer en fait, entre saccage et frappe du pommeau. Écoute, c'est pas grave, là il va nous faire une fausse attaque. Une attaque à rien du tout. Ah bah en plus il y avait la combustion. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu optimiser parce qu'il faut éviter les dégâts de combustion le plus possible. Bon bah là je suis une... Voilà. Dropkick à 12, le dropkick vanille. Hein. Vanille hein, le dropkick, vous voyez que la force c'est très vite. Protection, carnage, non. Ténacité. Ténacité aurait été bien avec l'autre bulle. Avec le build d'armure. Même, hein, même maintenant, hein, c'est quand même pas si mal que ça. Hein. Ténacité. Gagne 5 dégâts. Non, parce qu'on gagne 6, tu vois, donc c'est pas rentable. Non, ténacité, hein, je suis pour. Hein. Ténacité, ça se fait. C'est bien, c'est de la survie. C'est de la survivance en panique. Toujours très pratique. Vous découvrez un bâtiment ouvragé qui semble abandonné. Une plaque arrachée au mur gît au sol. Y est écrit la bibliothèque. À l'intérieur, vous découvrez d'innombrables rangées de parchemins, de manuscrits et de livres. Vous en choisissez un et vous installez confortablement à la romaine, incredibili, sur une chaise pour profiter d'un moment de détente. Eh ben écoute, allons-y. Ouais, les cartes c'est des communes, hein. On l'avait déjà fait je crois. Mais on va le faire. Jetons un oeil. Ah non, il y a tout. Enflammé. Oh. Alors attends, il y a lame lourde. Enflammé, métallisation. Enfin, du tour, gagner 3 d'armure. Attends, ambidextrie, copier une carte attaque au pouvoir dans votre main. Vantardise, vague de fer, manchette, désarmement, coup de pied sauté, enchaînement, pas mal ça. Cri de guerre, protection, lame lourde, ouais, elle est là. Lame lourde, hein. Ah, lame lourde. Frappe double, c'est pas mal ça aussi. Hein. Ça peut ouais, monter très c'est vite. Ouais, hein. c'est pas mal, mais ça. Hypercute, volée de coups, ça peut monter très très vite ça aussi. Virilité, conflit, colère, coup brûlant, et enfin frappe du poing. Lame lourde, pourquoi? Parce que le multiplicateur de force est multiplié par 3 et par 5 si on l'améliore. Exactement, et c'est juste insane avec... Voilà, et ça devient fou avec le l'âme démoniaque. Le livre raconte l'histoire d'une adolescente qui peut contrôler les insectes et aspire à devenir une héroïne. Le livre est rempli d'utilisations créatives de différents pouvoirs, de stratégies de combat et de points de vue variés. Intéressant. Il y a une émission comme ça, comment ça s'appelait? C'était pas Le Monde Étrange de Max ou un truc comme ça? De Sam? C'est une grossesse, elle pouvait se transformer en flaque de sperme argentée, chelou. Et tu sais, elle avait des pouvoirs télékinétiques. Ah, je connais pas. Non, c'était nul. C'était sur France 2 ou France 3, je sais plus. Le Monde de Sam. Oh, c'était un sitcom, mais nul H, c'était génial. Alors. Vous rencontrez une longue ligne de silhouettes encapuchonnées entrées dans une modeste cathédrale. Naturellement, vous rejoignez le rang et êtes rapidement encerclé par des adeptes. Ils vous ignorent et chantent joyeusement en agitant leurs armes. Meurtre, meurtre, meurtre. Meurtre, meurtre, meurtre. Bon. Attends, c'est quoi? Dague rituelle inflige 12 dégâts. Si cette garde tue un ennemi, ses dégâts augmentent de 3. Ah. Oh. Pour toujours, hein, parce que ouais. C'est à l'épuisement. C'est à l'épuisement. Donc c'est pour toujours. C'est pas mal. Je propose, autant les 99 nords sont plaisants, autant celle-là, je pense qu'on peut s'éclater. Je partirai sur Freak, pourquoi? Parce que regarde, juste avant, on a le marchand, et en fait, on pourrait choper une relique. Et j'avoue que celle-ci est sympa, mais elle est très situationnelle. Faudrait viser, faudrait calculer, faudrait avoir la bonne carte, enfin. C'est quand, c'est quand ça veut, tu 12 vois. 12 de dégâts pour 1. Ouais, mais. Je sais pas. Moi, je suis pour le Freak et ouais, voir une relique. Si une tu vraie, veux, allez, si vraie. Tu veux. L'argent. Ils ont même pas remarqué, elle est nulle! Voilà, on se barre avec les thunes. Du
coup, ouais, on aura un boss quand même. Ouais, mais tu vois, la dague rituelle aurait été... c'était peut-être un objet de quête pour aussi d'autres points d'interrogation. Aucune idée. Plaquage soldé, manchette, protection, lame infernale, métallisation, polyvalence et magnétisme. Regarde les reliques. Il y a alors, un truc de fou. Quand vous affligez 4 ou moins de dégâts d'attaque non bloqués, augmentez-les à 5. Ouais, c'est pas mal. Le crâne. Quand vos PV est inférieur ou égal à 50%, vous avez 3 de force supplémentaire. C'est propre. Pas mal du tout, ça. Quand vous entrez dans une boutique, récupérez 7 PV. Ticket resto. Bon. Énorme. Je suis pour le crâne. Ouais, allez, le crâne. Le crâne, tu vois, ça valait le coup d'avoir volé des thunes. Je trouve. Ça aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais, allez, on prend. Polyvalence, je trouve ça très bien. Manchette, protection. Métallisation, ça peut être bien aussi. Hein. 3 d'armure. Oui, non, parce qu'on gagne 3 d'armure, mais est-ce que. C'est cumulable, on s'est déjà demandé. Ça se cumule avec Orichalc. Ouais. C'est pour ça que ça ferait 6 plus 3, 9 d'armure gratos. Ouais. Une fois que le pouvoir est en place, ouais. Ça coûte qu'un en plus le pouvoir, hein. C'est bien de le penser. Ouais, non, mais prends. Je prends. Tant pis pour le reste. Ça me paraissait honnête. Et on a toujours le doute. Hein. Ah non, on a plus le doute, on a le parasite maintenant. Ouais, on a le parasite intestinal le du cul. Nous a parasité, quoi. Et ça, on peut passer par la gauche pour plus de points d'interrogation et plus de rentabilité. Il bah, y a un photon, puis un élite. Gingembre, vous pouvez plus être affaibli. Cool. Gingembre. Ah, on peut plus être affaibli. Donc c'est génial ça, on ne pourra plus jamais faire moins de dégâts. Après, on peut faire élite ou feu de camp du cul et élite. Ou alors, on la joue agressif et on fait élite, feu de camp du cul, élite. Mais après, ouais, après, ça s'en bat des monstres. Et après, il y a des élites. Moi, j'ai envie de te dire élite parce que autant y aller quoi. Non, parce que après, c'est trop agressif simplement. Je dirais feu de camp, élite, feu de camp. Non, regarde, en fait, là, tu fais feu de camp, élite, feu de camp. Oui, mais de toute façon, dans les deux cas, tu remonteras pas jusqu'à l'élite. Attends, ah non, si, t'as élite, feu de camp, élite, coffre, c'est pété ça. Ouais, mais après, regarde, c'est monstre et démon ou monstre. Tu vois, donc vive la régène quoi. Y a pas de régène, tu vois. Allez, ouais, on suit ton plan. Ouais, je pense passer par le centre parce que c'est plus prudent. Ou alors, dans ce cas-là, on fait un élite, on se tape juste un monstre en plus. Non, vas-y, feu de camp, on améliore. Feu de camp, améliorons. Surtout qu'on a des cartes à améliorer à donf, quoi, les fameuses cartes démoniaques. Genre, saccage, si on l'améliore, ça fait quoi? Ça monte de 8 pour ce combat, c'est bourrin. C'est vraiment pas mal. Faucheuse améliorée, ça donne 5, mais elle reste épuisante. Combustion, c'est 7 de dégâts pour tout le monde, c'est quand même très rentable. Ça devient très rentable. Mutalisation, peut-être. Mutalisation, 4 d'armure pour le même prix. Lame lourde multiplicateur par 5. Mais... Ténacité, on gagne 20 d'armure. Et ça, quand même, c'est quand même la classe. Forme démoniaque, il faut 3 de force, tu vois, ça se cumule et tout. Non, mais franchement, je pense que la forme démoniaque, c'est le plus pété. On clairement. Donc on le prend. Allez. Partons là-dessus. Incroyable. Du coup. Élite. On pourrait. Non, il faut plus de reliques. On n'a pas d'argent, donc tant pis. Plus de reliques, une élite, on y croit. Ah, lui, je l'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ce connard? Qu'est-ce qui me bite? Il tape à 4-4 et il a ça. Mais on a vague de fer pour 7 d'armure et 7 de dégâts. Le truc, c'est que si on laisse pisser, on a. Orichalc et on se prendrait 2. Donc c'est quand même confort. Ouais. Alors, franchement, la vague de fer. Combien 7 d'armure? Ah, mais ça vaut le coup. 7 d'armure et tu fumes un des mecs, un des petits. Et c'est insouciant. Le truc, c'est que si on fait heurt et frappe, on en fume un direct aussi. Et le truc, c'est qu'on gagnera 6 d'armure d'Orichalc et on pourra quand même caler une frappe derrière. Ah bon, on s'en fout, on a 5 points. On vient d'un point de repos, ouais, là. C'est vrai. Donc on les fume. Ouais, il faut les tuer. On fume un petit. Allez, on fume un petit, déjà. J'avoue, madame, on vous fume. Des bisous. Voilà. À l'autre. Toi, on te sauce la bite. 7, ça passera pas. Tant pis. Mais bon, ça protège. C'est pas mal. Et puis voilà. Et au pire, on aurait eu la potion, on aurait pu la claquer, mais vaut mieux garder... Ils ont que 15 points de vie, donc si on claque la potion et qu'on a combustion, tout le monde meurt. Ce n'est pas fini! Ah la putain. Il s'énerve Jean-Michel. Le saccage, il faut le mettre. Alors saccage, on va en avoir besoin. D'abord frappe chéronique, histoire d'affaiblir tout le monde. Ouais. Frappe chéronique pour calmer tout le monde et calmer leurs ardeurs, voilà. Saccage... je dirais une frappe norme... Ah, frappe du pommeau d'abord. On verra ce qu'on pioche, on sait jamais. Mais attention, si tu fais ça, on risque de piocher le truc à 3 qu'on va pas pouvoir mettre ce tour-ci. Bien pensé. Dans ce cas-là, saccage sur le gros et frappe sur le petit. Frappe, ça le tue, regarde, à 9. Ouais, ça le tue. Ça le bute, il est salty, et saccage, blé, dans sa face. Et on patiente. C'est propre. Et on a 6 d'armure, enfin, c'est gratuit. Donc là, il devrait... Ah non, il a buffé... Ah non, c'est bon, il invoque. Il invoque de la merde, très bien. Des sbires. Très bien. Donc la faucheuse pour la régène absolue, mais bon. Forme démoniaque, on se prendrait 9 dans la gueule. 3 parce qu'on a le... On a le ouais, c'est pour ça. C'est donc, le moment. Forme démoniaque, c'est maintenant. Allez. C'est maintenant ou jamais. Dommage qu'on n'a pas combustion, j'aurais claqué la potion combustion, tu vois. Histoire de le forcer à ramener du larbin. En fait. J'ai l'impression qu'on annule son tour si on dit que c'est larbin. C'est ça.
C'est pas fini. Allez, là, d'ailleurs, tu peux les tuer. C'est 20 points de vie par personne. Enflammé et frappe kinétique. Combustion, frappe kinétique, ironique et enflammé. Enfin, combustion, enflammé, frappe ironique. Ouais, c'est ça, ça me paraît bien. Ça. Combustion, frappe ironique. Non, non, enflammé d'abord. Pardon. Enflammé. Ouais. Ah non, j'aurais dû faire frappe ironique, coup de pied sauté, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient été vulnérables et on aurait gagné un point. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et enfin, est-ce qu'on jouerait pas ça ? Ah bah non, ils vont faire... Oh oui, putain, ils vont faire grave de dégâts, là, en fait. 12 x 3, là, 36, 12... Ouh là là, c'est l'inquiétude, en fait. Non, bah alors, mets pas la vulnérabilité. Attends, attends, est-ce que tu peux tuer avec quelqu'un ? Non, tu peux pas le tuer, donc métallisation. Si, si, parce qu'on a la potion de dégâts à 10. Ah ouais, bah vas-y, fais-le. On va faire la potion de dégâts à 10 à tout le monde, histoire, voilà, histoire de, voilà, de pokémoniser tout le monde. Et regarde, si on zaille, si on wipe tout le monde, attends, il a combien de PV? 7. Si on wipe tout le monde, normalement il arrête d'attaquer. Si, si, il va le faire. Non, il attaque. Bon, bah, on va bouffer notre chat. C'est pas grave, 36 points de dégâts, enfin 30 points de dégâts, mais on a 6 d'armure. On passe à 32 normalement. Ouch. Bon, on a plein de force. Et là, on a la force qui monte. Ok, ok. Ténacité aurait été plus très utile. Saccage déjà pour commencer, ouais. Mais cri de guerre pour commencer toujours. On sait jamais. Coup de pied sauté. Malheureusement, on n'a pas l'affaiblissement. Donc on va tout mettre. Hein. Il est vulnérable hein, déjà. Ouais, je sais, mais je pense. Ah, il est vulnérable. Mmh. Oui, bien joué. Donc on va permettre. Oh, non. Annule ça. Mais ouais, voilà, une défense, c'est bien. Ah. Alors, coup de pied. Ah, j'aurais dû mettre ténacité pour le prochain tour. Je suis con. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Coup de pied sauté. Bleh, voilà, déjà 30 dans sa bouche. On a pioché. Qu'est-ce qu'on a pioché? On a pioché une défense. Bah oui, forcément, la carte qu'on vient de mettre. Donc ça change rien. Donc saccage. Là, saccage, bleu, et une frappe. Bleu. Je pense qu'on commence à être bien. On l'a piqué quand 12 même. De, 12 de force quand même. Hein. On l'a piqué. Hein. Au combat, ouais, bah, c'est ça, appelle Télarbin. Tu vois, il a fait ça au prochain tour, en fait, c'est ça. Là. Donc là, tu l'achèves, achève-le. Lame lourde à 59,88. Allez, bliette. Voilà. Courez, au secours. Là, on lui a tout mis, là. Préfère la fois que vous perdez des PV lors de chaque combat, piochez 3 cartes. Très bien, c'est propre. Très très propre. Vantardise, supercute, enchaînement. Vantardise, sur le coup, ça peut être sympa. Hein. C'est 4 de tour, je crois. 4 de force, je crois, sur le coup. Bah là, c'est 2, mais c'est pas. Enfin, c'est pas folle. Hypercute, ça me sexy pas, l'hypercute. L'enchaînement, dans ce cas-là, hein, peut-être. Ouais, plutôt l'enchaînement, ou plutôt rien, en fait, là. T'es sûr ? Enchaînement, c'est bien, parce que ça permet de zoner un peu, tu vois. Je... C'est vrai, vas-y, ouais, à la rigueur. Un peu d'enchaînement. Bon bah, il y a feu, point d'interrogation, feu, démon. Ou alors feu, point d'interrogation. Non, il faut qu'on régène et il faut qu'on améliore les cartes, donc ça tombe bien. Ouais, faisons ça. Donc là, on régène un coup ou, Ouais, on va d'abord régène. Régène d'abord, ouais, histoire d'être safe. Voilà, on est bien. Et en plus, l'attrape rêve. Faut gagner un autre coup de pied sauté. Le coup de pied sauté, il marche bien, on tente le prendre. Je le prends. Ensuite, le coffre de gauche, ouais, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est celui-là, on est bien. On l'ouvre et dedans une pointe de stylo. Chaque 10ème attaque inflige le double de dégâts. Ça va, on peut atteindre des niveaux qui veulent rien dire. Des voleurs, malheureusement, pas de chance. Ils vont tenter de nous prendre de l'argent. On peut leur mettre une faucheuse pour régénérer dès le début, mais ils vont nous faire des dégâts. On a 5. Ouais. Donc, combustion, dès le début, on claque ça. Vague de force, histoire, enfin vague de fer, histoire de la mettre ça dans la bouche. Ah, tu peux mettre la faucheuse au final. Faucheuse défense. Ouais, ouais. Faucheuse pour régène, voilà, c'est toujours ça de prix. Et défense, qui va mitiger. C'est propre. Mitiger d'un petit peu. Allez, on a pris des dégâts donc on tirait des cartes, mais on n'a pas de. Tout va bien. Il nous vole notre fric. Ceci est inacceptable. Déjà pour voir. Ok, bon bah très bien. Dans ce cas-là, une petite. Ah bah non, dans ce cas-là, je voudrais piocher ça. Ouais, et puis une frappe chironique, et puis on leur met tout. Hein. On leur met tout, une frappe chironique et lame lourde améliorée parce qu'on a 2 points. De toute façon, là, c'est 6 qui devient 9, donc ça fait 18. Et là, ça fait 21. Donc, Ouais, de toute façon, c'est dommage qu'on ait pas de force. Quoi. Ouais, c'est dommage. Mais bon, on lui met ça dans la bouche. C'est propre. De toute façon, il n'y a pas épuisement. Et là, par contre, on va prendre 20. On va prendre 14. Mais on a pris un point, donc on prend 15. Il est mort, quoi qu'il arrive. Il faut qu'on se concentre sur le deuxième. Ouais. File ton pognon! Nous pique notre fric, ces enfoirés, mais c'est pas grave.
moi pour leur en mettre plein la bouche, malheureusement coup de pied sauté arrive un poil tard. Même pas mal. De toute façon l'autre est mort donc ça ne sert à rien. Ouais non il te reste les frappes quoi. Frappe, frappe, coup de pied sauté, et ça c'est 1 mais ça fait 8 dégâts au lieu de 6, donc en fait on va le tuer d'abord. On va le tuer d'abord, on va tout leur mettre. Et ça c'est 5 de dégâts donc on va leur mettre 6 en fait. Double 6. Ça va, on change tout le monde. Ça se passe bien. Et là il prépare de s'enfuir l'enfoiré. Mais nous avons Heurt. Coup de pied sauté, drop QQ et il est mort. Voilà. Parce qu'il en a été affaibli, donc il perd 50% de PV en plus. Ouais, on se tente une lame infernale. Ouais. Quoique même pas mal, c'est pas mal aussi. C'est pratique. Lame infernale, écoute. Lame infernale. A voir, à voir. Là du coup, je suis tenté, plutôt que d'améliorer, je suis tenté de régène. Hein. Oui, si on se tape l'élite derrière, oui c'est mieux. Ça me paraît cohérent. L'élite va nous permettre d'avoir une nouvelle relique. Et 24 PV, donc on sera à 74 et on va gagner 6 PV grâce au... Ah non, c'est à la fin du combat, donc ouais, bon, ouais. Non, c'est bien. Repos. Et puis on va gagner une carte, c'est gratuit. Colère, je dirais, hein, y'a pas à chier. Colère parce qu'on a le bonus force, ça coûte 0 à chaque fois que tu peux spam. D'accord. On peut faire ça. Il nous en faut une. Alors, qui est-ce? Les trois Aerospice, les trois harpies du mal. Ils attaquent les trois d'un coup. Voilà. Aïe. Frappe keramique du coup. Ils nous mettent 32. Frappe chironique, vague de fer. Mais on pourrait éviter la vague de fer parce que... Quoique attends, je sais pas pourquoi on fait 14 de dégâts. On fait deux fois plus mal. Ah, c'est parce qu'on a le stylo, je crois. Oui. Ah bah oui, alors autant faire la frappe chironique là, quelque part. J'ai envie de dire lame infernale pour le risque. Ou alors de prendre Enflammer d'abord, quoi qu'il arrive. Enflammer d'abord, enflammons. Voilà. Là on passe à 20 de dégâts, c'est plutôt propre. C'est pas mal, hein. C'est vrai que ça les pique. Hein. Ouais, non, vas-y. Voilà. Et derrière on peut mettre une vague de fer à 15 de dégâts et 7 d'armure. On gagnerait 6 d'armure et avec ça on pourrait peut-être gagner une carte. Attends, fais-la d'abord, celle-là. La première. Ouais, la première, lame infernale. Parce qu'on a 3 points, on commence avec plein de points. Ouais, mais en plus, qu'on sache. Ah voilà. Coup de boule, 12 de dégâts et placez une carte de votre défaut sur le haut de la pioche. Ça, c'est bien. Du coup, on mettra enflammé. Ouais, c'est bien ça. Du coup, je lui mets coup de boule. Avec de la chance, on peut peut-être le tuer d'un coup. Oui, on peut, oui. Ah oui, putain. Oh la vache. Et avec ça, on a 7 d'armure. Ouais. Et avec ça, 13. Non, 12, pardon. Attends. Oui, vas-y, fais-le, ouais. 12 d'armure et on se prend 9 de dégâts, mais. 8, même pas 8 de dégâts, donc c'est bien. Ah ouais, t'as raison. Hein. À une plaie. Ah, moche. Mais putain, sacré premier tour. Hein. Ouais, c'était vraiment les combos des reliques. Ah bah, vas-y. Je suis tenté de leur mettre une frappe chironique et une faucheuse, histoire de... Et pas de mettre ton truc de force. Pas de combustion, non, parce que là on domine clairement le combat, je propose de régène en fait. Et regarde, tu vois, regarde, frappe chironique qui va tous les affaiblir et en mettre plein de dégâts. Ouais. Et derrière, une faucheuse qui permettrait de bourrer. Est-ce qu'éventuellement on utilise le cri de guerre? Non, on garde. Parce qu'elle est assez épuisée, sinon ce serait trop con. Et combustion, je pense pas qu'on en ait besoin. Honnêtement, frappe chironique, ça les affaiblit. Derrière, une faucheuse a plus de dégâts parce que normalement ils sont affaiblis, si je déconne pas. Ouais. Ça met pas plus de dégâts. 10 dégâts. On régène de 20. Ouais. Et il va nous taper à 7, mais on a l'armure. Donc nous, on s'en bat la boule, tu vois. En plus, quand on n'est pas en combustion, on perd pas le PV. Donc voilà. Bon, après, on se bouffe des plaies. Mais bon, ça, c'est chiant. Enchevêtré, qu'est-ce que c'est-il? Vous ne pouvez pas jouer de carte attaque pendant un tour. Bon, ben... La baise. Damned. Elle est même pas mal, alors. Ouais, pas le choix. Hein. Et bon, tant pis. Allez. Tant pis. Fin de tour, ouais. Ils vont nous mettre 7 dans la gueule, mais c'est pas grave. C'est parti du deal. Et encore des blessures. Mais tant qu'on n'a pas redraw le nouveau deck. Par contre, on a vulnérabilité, ce qui est pas bon du tout. Alors, saccage pour finish le 19 déjà. Non, le 19. L'autre. Le 9, tu veux dire, ok. Et l'âme, bah tu t'as gagné. L'âme lord, là tu le démontes. À 23 dégâts. Ah oui, on a le bonus de force, c'est vrai. Ouais. Donc 23 de dégâts. Oubliette. Et voilà. Ce combat s'est très bien passé. Et on régène de 6, on est full life. Tirelire gueule. Quand vous montez d'un étage, gagnez 12 d'or, mais fonctionne plus quand vous dépensez de l'or. Bon, bah. C'est pas ouf. C'est un peu de la merde. Ah non, quand vous montez d'un étage. D'accord. Fortification, doublez votre armure, ça aurait été cool. Épée boomerang, 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. 12 d'armure quand vous attaquez. Moi, je dirais épée boomerang. Parce que, avec les bonus de force, ça pourrait être très avantageux très vite. Et sinon, ça fait 9.
peut faire ça. Genre, toi, tu gagnes plus 2, ça devient un 5x3. Mmh, tu gagnes non, encore plus 2. Voilà. Et encore en plus, on gagne plus 3. Donc, si on... Ce qu'il faudrait, c'est rendre le comment ça s'appelle le... Ah bah. Ça arrête dès que vous dépensez de l'argent et de boutique. Bon bah. Bon bah voilà. Non, bah non. On avait ouais, je le vis bien. Ah, 130 balles, on avait rien. Attends, il est pas apparu. Hein. Ah mais non. Ah oui, tant qu'on on a gagné 12 sorts, voilà. Tant qu'on dépense pas de l'or à une boutique, mais on peut brose. Regardons. Faites un achat, achetez. Frappe parfaite, hémokinésie. Il y a rien, en plus il y a rien. Préscience, attaquer, gagner 3 de force. Fais voir les reliques. Ignore la douleur, polyvalence qui est sympathique toujours. Début de tour, j'ai 3 dégâts à tous les ennemis. Tous vos PV. Ah, c'est pas mal ça. Bon, c'est complexe, mais moi je serais pour prendre une polyvalence. Moi je serais pour garder la baleine, vraiment. Ok, ouais, gardons la baleine. Parce qu'il y a rien de fou, vraiment. Gardons la baleine, il n'y a rien de fou, c'est d'accord. Ça va bien se passer. Cette saloperie de plante, ça va bien se passer. C'est quoi son debuff là, Mystique? Elle a de l'armure à chaque fois que tu l'attaques, je crois. Ah ah. Ok, très bien. Donc il va falloir être... Oula, surtout qu'en plus, elle tape dur, là. Oui, putain. Elle tape à 21, ce qui est proprement inacceptable. Je dirais frappe chéronique, coup de pied sauté, ça nous donne une attaque bonus, ouais. Et de bonheur. Et ça nous fait draw, donc voilà quoi. Donc, frappe chéronique, dans sa gueule. Coup de pied sauté, ça nous fait draw. Bon, on se... Même pas mal, voilà. Même pas mal. Bof. Et ténacité, parfait, impeccable. Parfait. C'est bien bien. Voilà, coup de bol. Et on tank tout. Bah. Allez. C'est pas une plante qui aura raison. C'est clair, faut pas déconner. Respectez-nous, respectons la plante. Oh, par contre, il encore une fois, il s'énerve. Ouais, mais t'as... Regarde, t'as... Saccage, vague de fer, saccage, ouais. Bah, fais-les d'ailleurs, hein. Franchement. Y a pas de... Vague de fer, saccage et combustion pratique, hein. Et oh, bah tiens, c'était le pipeau, la pointe de stylo qui lui a fait vachement mal. Ah oui. C'est pas grave. Combustion, je le claque. Et on va se prendre 14 dans la gueule, plus 1, 15. Ah, il gagne de la vulnérabilité parce qu'on nique son armure. On a ça, là, le drill que j'avais acheté au tout début du jeu. Oui, c'est vrai. Pas mal du tout, ça. Forme démoniaque, c'est tentant, mais c'est non nécessaire. Je dirais, là, tel qu'on est... Enflammé, d'abord. Enflammé, ouais. Métallisation et frappe. Tu vois, non, même pas. Enflammé, vas-y. De toute façon, il est fou. Ah, coup de pied sauté, bah ouais, oui, j'avais pas vu. Sauté, il est vulnérable à donf, ouais, donc... Allons-y. Voilà. T'as colère, ouais. J'ai colère, elle est gratos, voilà. Et là, frappe, ça tue. Non, il est à 13 de dégâts et il a 4 d'armure, quel dommage. Mutualisation. Bah, les deux, hein, de toute façon. T'as les deux. Ah oui, bah oui, ça passe. Et là, on vérifie. Normalement, Richard s'active 6. Métallisation 3, 9. Voilà. Voilà, c'est gagné. Oui, parce qu'il va cramer au prochain tour. Donc. Mais je voudrais éviter de perdre. Je voudrais éviter de perdre un PV, donc idéalement, je régène un peu, tu vois. Enfin, c'est offert. Faudrait pas refuser, tu vois, ça se fait pas. C'est propre. Potion de stéroïdes, ça, c'est très bien, ça. Ensuite, carnage, frappe chronique, fortification, bah rien du tout, je dirais. Ouais. Rien du tout. Feu de camp, pas besoin de régénérer, du coup on peut améliorer une carte, ce qui est quand même confortable. Lame lourde. Ténacité qui passe à 20, hein. Métallisation, ça passe à 4, ok. On ferait une armure de 10, c'est honnête. Moi je pense que lame lourde c'est de loin ce qu'il y a de mieux. Lame lourde, c'est risqué quand même, hein. Je dirais. Ouais, métallisation. Non, mais la multiplier par 5, c'est ouf. J'avoue. On a 3, c'est 15 points. T'as 3 de force, c'est 15 points en plus. J'avoue, ça pète. Hein. J'avoue, ça tape dur. Hein. Mais en même temps, ça nous donne de la survivance aussi. Métallisation plus, ce serait gratuit. Et ça passe à une. Ça coûte 0. Lame infernale qui coûterait 0 du coup. C'est une attaque gratuite. C'est bien aussi, hein. Franchement. C'est une attaque gratuite. On peut la prendre si tu veux, mais je pense que la lame lourde est bien plus worth it. Ouais, écoute, allons-y. Lame lourde. C'est amélioré de allez, deuxième boss. Numéro 2. Deuxième boss, très bien. Alors il a 3 artefacts sur lui, ce qui est problématique. Mais on peut commencer avec une forme démoniaque et on a quand même assez pour faire enflammer métallisation derrière. Ouais. Non mais carrément, là c'est un début de match parfait. Enflammé, on commence. Forme démoniaque. Métallisation, voilà. Non, ça c'est le début de game. Le top du top. On est prêt. Viens te battre. Ah merde, des sbires. Problématique.
épée boomerang qui fait déjà des dégâts à tous les ennemis. Ça fait 9 aléatoires 3 fois, donc ça fait 27 déjà. Ouais. Déjà, ça fait 27. La carte. Vas-y. Réfléchis pas. Limite, balance-la. Je me dis frappe infernale d'abord. Ouais. Déjà, pour voir ce qu'on lance en draw. Feu démoniaque. Épuisez votre main. Ah non. Quoi qu'en plus. Non, si on l'épuise. Ouais, tu vas attraper des max. Non, ça c'est. Épuiser, c'est. Donc tu peux faire tes attaques et après on l'épuise. Mmh. Ah oui, malin. Ouais. Du coup, enchaînement, 14 dégâts à tous les ennemis, épée boomerang. Fais les deux là, tant pis si on épuise la frappe, c'est pas grave. Et puis, ouais. Allez, bonne chance. Bam, bam, bam. Tout le monde bouffe et enfin on épuise la frappe, mais la ouais. Parasite. J'espère qu'on perd pas 3 PV max. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tu le sortir de. Là, ils ont payé très cher quand même. Mmh. Premier tour. C'est propre. Et on a faut voir la collection. Ah, il m'a pris faucheuse, saleté. Faut voir la collection d'artefacts qu'on se tape aussi. Pourquoi ne puis-je pas attaquer? Ah, voilà, c'est bon. Ah oui, on a pris des dégâts, donc on pioche 3 cartes, évidemment. Continue sa cage. Sa cage, colère, coup de pied sauté. Alors, déjà, frappe chironique sur tout le monde. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il faut les affaiblir. Malheureusement, ils ont 3 artefacts, mais on s'en fout parce que regarde, l'âme. Ça c'est le boss, mais ça affaiblit les larbins qui vont. On n'a pas combustion par contre, ils vont pas crever. Donc ce qu'on fait, c'est un coup de pied sauté sur un larbin, lui parce qu'il nous a piqué la faucheuse, et ça me casse les couilles. Donc, voilà, c'est gratuit. Et la colère sur le deuxième. On récupère la faucheuse, on peut régène un peu. Pour le moment, c'est pas nécessaire. Hein. Il vaut mieux que tu utilises la faucheuse au moment où il réinvoque les deux. T'as raison. Colère, saccage. Les dégâts sont augmentés de 5 pour qu'on a 34 points d'attaque. Vas-y, continue. Et 30, ajouter une copie de cette carte à votre défausse. Ouais, il faut faire ça. Il faut faire ça parce que voilà, l'autre, elle fait mal, je l'accorde. Mais à ce niveau-là, c'est pété. Blah 45 parce qu'il était affaibli. Faut pas déconner. Par contre, saccage, hein, il faut jouer. Et là maintenant, il faut lui en mettre plein la gueule, c'est ça hein. Ouais, saccage sur le. Je me dis. Ouais. Non, j'ai envie de faire tomber une de ses armures. Hein. Avec, regarde, ouais, merde, pas vague de fer. Ça marchera pas. Des coups de pied sautés, ça marchera pas. Ouais, je vois ce que tu veux faire, mais saccage. Saccage, ça monte tellement vite en puissance, plus la force. Tu seras contente de l'avoir boosté complet. Je suis d'accord, mais honnêtement, je vais faire quand même tomber son automatisme. Ouais. Parce que j'aimerais lui mettre une frappe chironique dans le futur et pouvoir, à partir de là, vraiment enquiller les dégâts. Que toutes les autres cartes auront proportionnalisé par rapport à la force qui augmente déjà. Quand déjà 9 points de force, c'est absurde. Merde, lui aussi. Le signe s'y met. Mais là, voilà, il y a une lame lourde. 74. Ok, d'accord. C'est bien. La game, elle est bien. Par contre, il nous met 20 dégâts. Donc ça déconne 0. On va essayer de même piocher. Pas mal. Ouais. Même pas mal, déjà. T'as raison. Un même pas mal. Quoique... Même pas mal. Coup de pommeau, tant pis. Bah, écoute, lame lourde. Par coup de pommeau, 21 et piocher une carte. Ouais, j'aimerais bien me défendre un peu. Ouais, mais j'avoue, le pénis. Et puis, trop, on gagnerait 11 à la fin d'armure, il nous mettrait 9. Bon, bah voilà, on lui met le pénis. Et ça lui enlève le l'item, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a perdu. Ah ben, parce qu'on lui a pété l'armure. Et donc, le drill du début lui a mis l'affaiblissement. Ah oui. Oh là là, c'est sale. Ça y est, on commence à avoir un deck qui est pas dégueulasse. Mm. Ouais. On y croit, hein. Grosse partie, mais... Non, mais là, c'est bien, on a un bon départ, et puis là, celui-là... Et là, la frappe chironique, elle passe, hein. Là, elle passe, même en plus, avec une vague de fer derrière, mais non, même pas, donc... frappe chironique, on garde la faucheuse, éventuellement. Regarde. Ouais, oui. Frappe chironique pour lui en mettre plein la gueule. On pourrait, quoi qu'on régène ça, là. 57, ouais, vas-y, fais-le. Hein. Vas-y, fais 67 plus 9, on a l'occasion 75. De le faire, sans que ça nous coûte très cher, donc vas-y, fais-le. Ouais, et en plus, voilà, 28, full life parce qu'il était affaibli, on avait oublié. Donc, ouais. C'est quand même confort de se mettre full life sur le boss du deuxième étage, tu vois. Régène, ouais, carrément. C'est quand même assez confortable, il faut l'avouer. Alors là, on va prendre un coup à 51 pour faire des choses. Oui. Heureusement, on a Tenacité qui a popé. Attends, frappe du pommeau déjà. Frappe du pommeau, t'es sûr de ça? Il faut toucher. Colère, bon. Ça lui met une bif. Et là, par contre, on peut lui mettre coup de pied sauté gratuitement, vu qu'il est vulnérable. Ouais, bah vas-y. Voilà, après, par et contre. Et tu peux la jouer, hein. 36, merde, c'est 36. 39, si ça tue. Ouais, bah parfait. Ça tue. Allez. Parfait. Au chiotte. Full life. Sur le bas. Dépasser les limites. On a tout gagné. Allez, on le prend. On a tout gagné. C'est juste complètement pété, il nous faut.
il faut absolument l'améliorer le plus vite possible. Parce qu'en fait, déplacer les limites, multiplier par 2 votre force actuelle. Donc si on a déjà 7 de force, on passe à 14, c'est absurde. Mm. Mais elle est à épuisement, c'est-à-dire si on l'utilise, elle s'arrête. Mais si on l'améliore, elle reste exactement, elle double notre force, mais elle perd épuisement, elle revient à chaque deck. Et là, ça commence à devenir très sale. Quand vous perdez des PV, piochez une carte, pourquoi pas. Quand vous êtes sur le point de mourir, récupérez des PV pour atteindre 50% de vos PV max à la place, c'est pas mal. On peut partir là-dessus parce que... Deux cartes supplémentaires à chaque coup. Ah ouais, ok, ouais. Moi, je dirais que de lézard ou cube runique. Cube runique est pas mal, mais honnêtement, on perd pas tant de PV que ça ouais, avec l'armure maintenant. Autant partir là-dessus. Que de lézard. Par contre, le cube runique peut être très sale. Hein. C'est clair que tu prends genre 5 dégâts à 1 point de vie, genre pa, t'as perdu 5 PV, t'as tiré 5 cartes. T'es content. Lézard, c'est un peu notre sécurité. Bah là, on peut faire, non, à droite, je dirais. Tout à droite, c'est-à-dire ouais, marchand. Parce qu'on a le marchand pendant encore 2 étages, c'est-à-dire qu'on sera bien des thunes. J'avoue, et il y a quand même... Il y a qu'un boss sur la route, par contre, à droite, et ça ne nous offre pas d'opportunité de virage. Moi, je propose, regarde, centre, parce que... Ou non, tout à gauche, regarde. Ouais, tout à gauche. 3 trucs, puis le marchand. Ouais, avec un point d'interrogation. Et après, du marchand, on part au point d'interrogation et on choisit boss ou repos. Ouais. Selon. Et après, en plus, ouais. Donc, clairement. Donc, tout à gauche. Hein. Ouais, tout à gauche. Ouais, d'accord. Tout à gauche. Ouais, c'est le mieux. On a 2 combats forcés, mais bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors. J'aime pas du tout ça. Ah, on a un mauvais start en plus. Non, on a un très bon start. Regarde, non, frappe chéronique. Il y a pas. Il manque plein de trucs. Non, mais regarde. Hein. Frappe chéronique. Déjà, vulnérabilité pour tout le monde. Mmh. Boum. Déjà, ça les calme. Colère, ça tue le Pokémon. Mm-hmm. Là, bon, blâme. Donc déjà, tu vois, ça nous enlève les problèmes qu'on pourrait avoir potentiellement, si tu veux. Ouais, et les 2, vagues de fer et frappe. Tu vois, c'est pas un si mauvais tour. Non. Mais le setup, on l'a pas mis en place. Ouais, j'avoue. Alors. On n'a pas le vrai setup. Mais il y a un début, tu vois, on y travaille. Faucheuse, bon, ça sert à rien. Lame lourde, bon. Bah. C'est combien, 14? Ouais, 14. Ils sont pas affaiblis. Mine de rien, ça peut tuer. Grâce à la lame lourde et une frappe, tu tues à nouveau l'arbre. Ce qui est bien. Parce que ça permet de tempo, ouais. Ouais, ça l'occupe, il est obligé de la ressusciter à chaque fois. C'est ça. Il perd un temps fou. On y met des taquets quand même. Hein. Alors. Bah, métallisation, hein. Métallisation et ça nous rend invincible contre. Ah, par contre, ouais, non, au centre, elle tape dur. Métallisation, trigger, défense, métallisation. Bah, métallisation, déjà, tu commences, tu vois. Cri de guerre, voyons voir. Combustion. Moi, plutôt que de partir sur combustion, quoique combustion, c'est bien, parce que ça permettrait de buter la lame un peu plus facilement. Ouais, ouais c'est vrai, ouais. Mais là, on va bouffer. Hein. Ouais, on va bouffer 22 plus 9, ça fait 31. Alors qu'on a déjà 3 d'armure, 11 d'armure, et ça, ce serait 16 d'armure. 31. Donc ça veut dire qu'on boufferait 15, c'est mieux. Alors que si on fait ça, mais on boufferait 20. C'est... ouais. Tirons le même pas mal. Enfin non, pardon. Passer au-dessus non, ramène de pas... Ouais, voilà, la défense. Bah, du coup, malheureusement, on va la repiocher avec même pas mal. Oui, regarde. Ouais, c'est vrai. Elle est au top de la pioche. On joue même pas mal. Et qu'est-ce qu'on pioche? Oh bah, une défense. Donc moi, je serais pour combustion. Quoi, allez, vas-y. Je... Ouais, combustion. On va bouffer 11, 10 ans. On va bouffer 20. Ça fait mal, mais... Ça met en place le setup. Voilà. Au moins, ça permet de les affaiblir dans le futur, ça permet d'arrêter de casser les couilles. On aurait pu augmenter notre force aussi avec la potion, mais je préfère la garder. Alors... Aïe. On a bouffé 19 parce qu'on a fait une combustion. Dépasser les limites, c'est trop tôt. Coup de pied, malheureusement, ce n'est pas là. Ça, c'est pas mal. Par contre, il va taper à 25, donc il faut absolument qu'on l'endorme. Ouais, lui, il faut le tuer. 6 et 8, ça fait combien? Ça fait ouais, 14. 14. Ouais. Et il mourra à cause des flammes. À cause des flammes à 5. Non, sinon tu fais 8 et 8, point barre. T'embêtes non, pas. Non, on a pas 8 et 8, on a ouais, 8 et 8, t'as raison. Ouais. Au moins, tu peux commencer à frapper l'autre. D'ailleurs, c'est ce que tu fais. Attends, je vais mettre une frappe, parce qu'il va cramer. Il va oui, cramer avec ouais, la combustion. Il va cramer, ouais. Voilà. Et coup de pied sauté à l'autre, ça lui ouais. Fait plus de dégâts, on maximise. Allez. Voilà. Réinvoque un couteau connard, donc il faut infliger 15 points de dégâts à l'autre enfoiré. Hein. Ce qui est compliqué, mais pas injouable. Et ça annule complètement son jeu. Saccage, hein. Enflammé. Enflammé déjà, tu commences. Saccage, voilà, donc tu les as là, direct. Frappe du pommeau d'abord, histoire de piocher. L'épée boomerang est tentante aussi. Hein. Ouais, c'est, mais elle est trop aléatoire, on peut se faire RNG, j'avoue. Frappe du paume déjà pour le calmer. Ouais. Où est-ce qu'on pioche? Forme démoniaque, dommage, bon, bah, c'est pas grave. Saccage. Saccage, on saccage. L'autre, il prend du dégât 5 par 5.
Ça se fait, ça se fait. C'est dingue qu'elle... Ouais. Ah non, mais là, elle attaque. Elle va nous attaquer en plus, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. On a gagné un tour où elle va passer à invoquer une lame, donc ça, c'est un tour qui est gratuit pour nous. J'en ai même pas mal, déjà. Ouais. Tant pis, hein, ça me fait piocher. Et là, du coup, bah, on est obligé de jouer avec ça, donc écoute, frappe, coup de pied sauté. C'est ça, ouais. Alors, faucheuse. Ah, quoique faucheuse permet une grosse régène, hein. C'est clair. Faucheuse permet une grosse régène, donc ce serait bien de le faire genre maintenant en fait. Moi je prendrais le risque de le faire maintenant parce qu'on n'a pas de chance qu'il pop maintenant. Oui, sûr, oui. En fait c'est le crayon, tu vois le crayon qui double. Vas-y fais-le. On a la mine de stylo là en fait. Ouais, donc, ça veut dire que colère fait combien? 18, ouais. Et frappe, 18, et ça, 22. Ouais mais bon, vas-y, c'est 14 vas-y. De régène. Non, mais gagner de la vie c'est important, voilà. On aurait pu claquer la potion de force pour même régénérer encore plus, mais bon. Non là comme ça c'est très bien. Bon maintenant il va falloir essayer de l'achever là. On se rapproche du... Frappe érotique nous donnerait l'occasion de faire grave des dégâts derrière. Mais claquons une lame à faire là, déjà pour savoir. Ouais. Ensuite, on a tourbillon. 8 dégâts à tous les ennemis X fois. Malheureusement, avec frappe érotique, ça nous avantage pas. Donc on va faire frappe érotique. Et la frappe, une frappe du pommeau. Et voilà. Avec de la chance, on peut draw. Frappe du pommeau sur lui, il est mort. Ouais, mais lui, il va nous attaquer aussi, donc... Me dire, ouais, c'est vrai. Ouais, vaut mieux minimiser les dégâts, donc faisons très mal. Et forme démoniaque, tant pis. Tant pis, hein, c'est pas grave. Et t'as attaqué 13, là. Ah oui, c'est bon. 13 dans la gueule. Mais on a régénéré 14 au tour dernier, et on a claqué 14 parce qu'il y avait la combustion. Et bah attends, vas-y, fais-toi plaisir. Doubler la force. Ouais, déjà, dépasser les limites, même si on fait que 6 de force, c'est pas grave. Ouais. Heurt, ça lui fait combien? 14 dégâts et 2 de faiblesse. C'est bien, ce serait bien de lui mettre faiblesse pour ce tour-ci. Quoique... 9 x 3 ça fait combien? 27. 27 et 12, 39, c'est gagné. Attends, fais le heurt d'abord. Bon, non, tant pis. C'est gagné. Regarde. Allez. Joli. Voilà, impeccable. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Souffle de feu plus. À la fin du tour, infliger un dégât à tous les ennemis par carte attaque jouée à ce tour. Oh, c'est pas mal et en plus, c'est un mal. Pouvoir à 0. Hein. Copie une carte attaque ou pouvoir dans votre main deux fois. Non, mais c'est ou pouvoir si tu choisis pas, si. Alors, tu choisis ou pas? Tu choisis la carte. Donc on peut mettre un truc qui nous fait gagner 6 de force par tour. Mais ce serait 3-3, tu vois, donc il faudrait les claquer. Alors que par contre, si on copie super armure, métallisation, tu vois. Ouais, ça peut se faire. Ou si on copie la carte colère, tu vois. Et tu. Elle se duplique d'elle-même en plus, la carte colère. Ouais, je sais. Donc c'est vrai que ambidextrie me plaît, hein. Souffle de feu est sexy, allez, mais ambidextrie me plaît. On impeccable. En espérant qu'on choisisse la carte à dupliquer, sinon c'est la bite. Vous sautez d'une forme flottante à l'autre, toujours plus haut, mais finissez par glisser. Et vous commencez par choir. Alors que vous êtes en chute libre, vous étudiez vos options. Utilisez votre meilleure technique pour atterrir en toute sécurité, canaliser un pouvoir pour survivre à la chute, ou frapper le mur pour tenter de vous accrocher. Bah atterrir, parce qu'on s'en fout d'armure. Voilà, donc c'est 6 armures, on en gagne... Enfin, 5 armures, on en gagne 6 à la fin du tour si on claque pas ça. Donc c'est voilà, vraiment la carte poubelle. Vous atterrissiez gracieusement et reprenez votre chemin. Facile. C'était pas ouf, hein. Ouais, écoute, c'est pas gênant. On a un marchand qui arrive et on a grave de thunes, là. Alors, gros Pokémon, qu'est-ce qu'il fait, lui? À la fin de son tour, gagne 3 de force. C'est un problème. L'ennemi compte vous infliger un effet négatif pour attaquer 10 de dégâts. Ah ouais, il déconne 0, en fait. Déjà, on va caler ça. Et puis, 8 d'armure et piocher une carte, on espère. Vague de fer, très bien. Ouais. Voilà qui nous permettra d'accuser le coup et de lui en mettre plein la bouche. Excellent. Excellent, excellent. On a perdu l'enflammé, malheureusement. C'est pas grave. Il reviendra, j'ai foi. Ah, de brûlure, ça par contre, c'est pas bon. Métallisation. Métallisation, ça me paraît bien à claquer très vite. Ah, mais il y a forme démoniaque. Non, j'ai envie de te dire, il a des points de vie, donc autant y aller. Hein. Ouais, il va faire mal. Hein. Il va faire mal, mais on a... Déjà, colère, c'est gratuit. Une colère dans sa gueule, pas de raison. Forme démoniaque, voilà. On espère que ça passe. Ouais. On va se bouffer 8 de dégâts en tout, hein, en comptant le feu de la combustion. Il nous met des brûlures, c'est très chiant. Il tape à 21. Ouais, vas-y, fais ça. Plus de guerre, c'est fini d'avoir couvert. On a plus rien. Bon bah écoute, faut attaquer. T'emmerdes. De
au-dessus de la pioche, on prend ça. Non, la brûlure. Non, au-dessus de la pioche, on la piochera au prochain tour, tu vois. Mmh, c'est vrai, on s'en fout. Alors qu'en fait, regarde, frappe chironique d'abord à 13 pour l'affaiblir, et ensuite heurte à 14 qui sera affaibli, donc 21. Ouais, c'est pas bon. Par contre, c'est l'inquiétude. Ouais, bon, on va se prendre. Non, mais ça va, on a un petit peu de métallisation. Non, bah ouais, mais non, mais ouais. Là, on a 22, donc le prochain, il est pour nous, hein, si ça tue. Ça tue pas, parce qu'on n'est pas encore affaibli, mais... Alors, vas-y, tu commences par le coup de pied. Coup de pied sauté gratuit. Ouais. Il est mort, Dieu merci. 32 dégâts, 45 de dégâts, qu'est-ce qui s'est passé? On a 9 de force, déjà. Ça va vite, hein. Ouais, ça monte très vite. Ah, c'est le stylo aussi. Le stylo que s'est activé, on l'a oublié. Okay, je m'enchaîne. Bah, je propose de rien mettre. C'est de la merde. Ouais. On met rien. Allez. Marchand, derrière il y a un feu de camp à gauche plutôt que l'élite. Je sais pas toi, mais. On verra, ouais. À part si ça régène, va falloir commencer à esquiver et commencer à aller dormir un peu parce que. On y va, on claque le piggy. Ouais, on est à la troisième en tout cas. Je crois pas qu'il y ait un autre marchand d'ici la fin de la map. Ouais, bah, non, c'est le dernier, ouais, c'est maintenant. La faucheuse améliorée direct. Alors, faucheuse améliorée, elle est améliorée. Attends, les runes d'abord. Les soins aux 50% plus efficaces durant le combat, très bien. Deux prochaines malédictions que vous recevez, non. 6 d'armure à chaque fois que vous mélangez votre pioche. Pff, non, ça c'est. On n'a pas de mélangeage de pioche. Si, c'est uniquement quand on a la fin du deck, tu sais que c'est ça. Ouais. C'est pas mal, mais je pense que la fleur magique est. C'est trop situationnel, voilà. La fleur est très pratique par contre. Par contre, 310, hein, ça coûte cher. Frappe rapide, 5 dégâts. Technique secrète. C'est pas non plus ouf, hein, franchement. J'avoue. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas acheter la faucheuse et. Le bonus, ouais. Ouais. Prends la fleur, on ose, on n'hésite pas, je regarde ce qu'il y a d'autre, il y a rien d'autre, écoute, de toute façon on n'aura plus de thunes quoi que ce soit, donc voyons voir les potions. Pouvoir aléatoire parmi 3 ajouté à votre main, il coûte 0 ce tour, applique 3 de faiblesse, et ben écoute, potion de pouvoir, et on y croit, c'est peut-être les pouvoirs qui sauveront, tu vois, c'est peut-être les pouvoirs qui sauveront du cul. Point d'interrogation à gauche et du soin, si jamais on n'en trouve pas. Devant vous se trouve un hôtel élaboré consacré à un esprit oublié. Parfait, vire-moi la malédiction. Tant pis si on perd 3 PV max, mais il faut la virer. Elle est trop chiante. Elle nous fait perdre du temps. Je regarde des cartes qu'on n'a jamais jouées, tu vois. Il nous reste une défense. Bon. Non, mais le parasite, il peut nous pourrir une partie, vraiment. J'avoue. Vraiment, c'est vrai qu'on a aucune carte d'armure. Ouais, dormir. Soin, ouais. On y croit, on est bien, on a une bonne run. 23 PV. C'est assez propre, ouais. Rien du tout, ouais. Ouais, rien. Même si la frappe chironique plus, elle est bien. Hein, mais c'est dommage, hein. Mais... C'est la plus, mais ouais, ça polluerait le deck. Et là, on est bien. Alors, beaucoup de petits mobs. Ce serait très bien, là, une petite faucheuse boostée. Là. Un pouvoir démoniaque dès le début. Ils font combien? Ils font beaucoup de dégâts quand même. Hein. Non, mais regarde, de toute façon, on n'a pas d'armure. Donc, forme démoniaque, saccage, il frappe. Saccage sur qui? Sur l'explosif. Lui, ouais. Ah bah oui. On prend du dégât à cause du machin, mais... Il n'y a plus rien à faire, là. Et potion de pouvoir... Non, tant pis. On va prendre quand même 27 de dégâts. Et on va perdre 21 points de vie. Donc ça va nous ramener à 19. Si je dis de la merde. Non, ouais. Non, 20... Ouais, 27. J'ai mal calculé, très bien. Allez. Faucheuse qui tombe à point nommé pour 10 de dégâts, donc 40 points de vie régénérés. Y a pas une frappe chironique là d'abord à mettre? Fais en bidextrie avant de faire faucheuse. Ouais, mais on n'aura pas assez de points. Non, mais c'est pas grave, ça popera plus tard. Ok. D'accord, c'est, voilà, c'est pratique. Et là, du coup, on va perdre 3 PV, mais on va régénérer à max. Et eux, ils attaquent pas beaucoup. Ils vont en plus, on gagnera 50% de soins en plus, hein, c'est pété. Oh là 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 là. J'avoue, ça par contre, c'est le clutch. Là, le clutch, il est formidable. C'est Goku qui s'est battu en forme normale, et du coup, il a regagné tout son ki pour passer en Super Saiyan bleu. Ça y est, je me suis reposé 5 minutes, les mecs, ça va. Je suis à fond. Là, on est bien, ouais. C'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est les cartes détruites. Okay. Vague de fer pour gank un peu et même pas mal et puis voilà quoi. Mm. On le capitalise à l'ancienne, on prend le temps. Lame infernale, ça peut être pas mal, faisons ça, on ne sait pas jamais. Uppercut, et c'est gratuit, alors, un faiblesse et invulnérabilité. Qu'est-ce que tu peux tuer là? Un faiblesse et invulnérabilité, bah là on peut le tuer. 25.
Non, non, par ça le tue pas. Les autres, ça les bute. Le 25, il va pas nous. Lui, regarde, si on le tue, ouais. On le tue. Par contre, attends, il a 12 PV. Mais il nous reste une frappe. Ouais. Et 13 dégâts avec armure. Donc, ouais, t'as raison. Hein. Mettons ouais. De l'armure. Quoique, lui, il va faire un truc, il va se faire péter, je crois. Oui, hein. Mais la frappe va le tuer. Ça, c'est gratuit. Ah non, non, fais l'hypercute, il est gratuit. Oui, l'hypercute est gratuit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on en bute un. Tu vois, ouais. Regarde, on peut buter lui, on peut buter lui, ou on peut buter lui. Lui, il va nous faire un truc, on s'en branle. Lui, si on l'attaque, on va se prendre des dégâts de 7, mais c'est bas. Lui, il va se faire péter pour cher. Ouais. Donc, je propose. Les deux premiers, il faut les tuer, allez, go. Ouais, de fer. 13 dégâts, je compte 19. Ok, très bien. Voilà, très bien, ça le bute. Et hypercute, bref, voilà, très bien. Bon, voilà, on est bien là. Au moins, il nous explose pas entre les doigts, Dieu merci. Il nous met 7 de dégâts, mais on a 15 d'armure grâce au rien à foutre et à la vague de fer. Colère, c'est gratuit dans sa bouche. Voilà. Et là, c'est quoi? Je suis presque tenté d'attendre. Une petite faucheuse. Non, on est full life, franchement, ça va. Ouais, mais c'est gratuit, tu vois. En plus, il prépare un truc chelou. Enfin, moi, je dis, pourquoi pas, offrons-nous, tu vois. Ah, je me suis fait mal comme un con sur ces épines. Ah mais on peut pas se régénérer plus de dégâts qu'on lui absorbe, c'est ça? Ouais. Bon bah tant pis. Il tape à 7. Mutualisation, écoute. Mutualisation, on dépasse les limites. Écoute, c'est toujours 8 ouais, PV, hein, moi je... Bah là tu peux le dégommer, là. Ah bah non, tu veux attendre. J'attends, ouais, ouais. Écoute, on optimise. Fait pas assez de dégâts pour... Enflammer. Quoique, attends, il a augmenté ses pics, hein, l'enfoiré. Hein. Ouais, ouais, c'est pour ça que... Non, mais finis-le. Ouais, achevons-le. C'est pas rentable, désolé. Bon, on a quand même full régen. C'est vrai, non, ça c'était propre. Onde de choc, c'est bourrin, mais non. Protection, non. Désarmement, c'est bien parce qu'il perd 3 de force, mais définitivement. Et du coup, sur un boss, par exemple, c'est toujours cool. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis ça coûte pas très cher, c'est une attaque. Oh là là, c'est la merde là. C'est la bite. Envoyer des scris, copier une carte attaque pouvoir. Et bah saccage. Tu veux pas copier saccage avec ambidextrie, c'est ça? Si, en fait c'est ce que je te dis, ouais. Mais le problème c'est qu'après il faut les jouer, mais. Mais on va les jouer. Mais ça va, elles vont cogner tellement fort rapidement. J'avoue. Saccage du coup. C'est tellement sale. Du coup, ça sert à rien de jouer ça parce qu'on va gagner plus d'armure. Et là, du coup, je serais tenté de mettre un Hurt. Oui et non, là, il faut que tu joues les saccages, sinon ils serviront, ils seront d'une utilité moins. J'arriverai pas à tuer avec ça, malheureusement. Alors que, ouais, non, Hurt, ça passe pas. Alors que Hurt et Dropkick. Et saccage. Ah, c'est pas gratuit parce Hurt, que. Dropkick non, je peux pas. Hurt me coûte 2 et là, ça me coûte 1. Donc je peux pas le. Ah ouais. Par contre, je peux augmenter ma force avec des stéroïdes et du coup, je pourrais buter un couteau, ce qui serait quand même avantageux. Je pense que ouais. Allez, on boit un coup de couteau. C'est dommage qu'on ait pas la combustion. Infliger 26 de dégâts. Ah bah j'ai pas vu le stylo. J'avais pas compté l'épipène. Le fameux. Tu l'autre. Ouais, le fameux épipène. Qui multiplie nos dégâts. C'est vrai que ce truc. Ce stylo, on l'oublie, hein, mais il nous aide. Hein. Putain, sans déconner, de temps en temps ça proc. Ouais, hein. Ouais, c'est fou. Ça proc vite. Hein. Après, il en invoque un autre parce qu'il est occupé. Alors, voyons voir tout ce que nous avons. 25, et bah, va falloir le buter. Hein. Métallisation me paraît essentiel. Colère, enchaînement me paraît très bien. Enchaînement, il est gratuit. Enchaînement est gratuit. Colère aussi, tu vois. Donc 6 de dégâts, bah, on commence déjà par ça. Tu vois, blâme, on le sauce. Voilà. Comme ça, lui, il est en point d'interrogation, il va en réinvoquer un autre. Métallisation, c'est sûr. Métallisation, c'est sûr. Mais ne commençons pas par ça, commençons déjà par frappe lame infernale. 100%, coûtant moins pour chaque perte de PV, infligé 10 dégâts, donc ça bute le deuxième. Ouais, c'est parfait. Voilà, c'est gratuit. Donc la métallisation, on va la mettre quand même, parce que c'est important. Bien sûr. Et puis tu peux. Enchaînement, ou coup de pied. Enchaînement, ouais. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Puis, voilà quoi. Voilà, il va réinvoquer ses larbins, l'enfoiré. Mais c'est pas grave, on se débine pas. Par contre, c'est dangereux, on a toujours pas le 11x2. Voilà. On n'a toujours pas le Super Saiyan. On a le Super Saiyan, mais on n'a pas la forme. Par contre, on a de l'armure et de la vulnérabilité pour tout le monde, et on peut piocher. Donc, vulnérabilité pour tout le monde, déjà, c'est gratuit. Ouais. Boum. Putain, malheureusement, ça... Ah si, c'est, ça le vulnérabilise, donc ça le tue. On pioche, en plus, derrière. Ouais. Ouais, vas-y. On pioche, on sait jamais. Problème, c'est que... Ah bah, parfait. Désarmement, 3 de force et épuisement.
Ça lui met 3 de force. Mais 3 de force, mais ça lui met pas en négatif, si. Ça lui fait 8 fois 2, donc c'est pas mal, vas-y. Attends, ça le met en négatif, t'es sûr? Non. Mais 8 fois 2, c'est bien. Ah non, si, ça fait 3 de force en négatif s'il a pas de force en plus. J'espère, hein. Oui, vas-y. Dieu merci, ok, c'est bon, ça marche. Du coup, tu prends 16. C'est pas mal. Et avec 9 d'armure, donc je prends 7. Ce qui est somme toute très raisonnable. Et je suis immunisé à la faiblesse, donc tu me respectes. C'est bien. La forme démoniaque, alors qu'il va profiter pour réinvoquer ses potes, ouais, il va pas chier. C'est bon, maintenant, tu vois, c'est parfait. C'est maintenant, il a choisi le bon moment. Allez, vas-y, on va te danser, salope. Alors, attends, pardon. Oula, alors la faucheuse, elle est gratuite. Alors ça, enflammée, sa faucheuse. Puis faucheuse, j'ai envie de... Par contre, oui, ils vont faire des dégâts, mais quoi que j'aurai de l'armure. 9 d'armure. Mais enflammé, t'es obligé de le mettre, de toute façon. C'est enflammé, ouais, il va chier. Putain, il y a une frappe chronique. Hein. Le problème, c'est que, regarde, enflammé, si je fais enflammé, ça veut dire que ça fait 10 de dégâts, vu que j'ai 3 de force en plus. Ouais. Si je fais frappe chronique, ça veut dire... Ça fait 10 de dégâts. Non, mais sinon, au pire, tu... Mais frappe ironique leur fait des dégâts de base. Faucheuse, tout de suite, tu fais un enflammé frappe ironique, tu peux aussi faire ça. Mais frappe ironique ne marche que pour ce tour-ci, tu vois ce que je veux dire. C'est pas... Donc c'est pas rentable. Parce que j'ai pas d'autres attaques à faire suivre derrière. Si, j'en ai une, mais je suis pas sûr que... Quoique si, ça bute le couteau. Ouais, mais le couteau, c'est bien en soi. Mais la régène. Là, c'est 20 points de vie, c'est gratos, tu vois. Ouais, c'est tout bien. Ouais, mais après il va nous taper à Shai. Et ouais, en plus, ça sera pas rentable. Il vaut mieux la garder pour à la fin du combat, quoi. Quand tu seras grave. Pété. Alors que là, foupe, et voilà. Et l'autre il va nous taper, mais on a 9 d'armure, donc il va nous taper à 7. C'est honnête. Ça passe. Voilà. C'est honnête. C'est vrai qu'on perd une belle occasion de faire une faucheuse jolie, mais bon. Ah bah là, la prochaine fois qu'elle vient, elle sera encore plus jolie, ça c'est sûr. Colère dans sa face. Ah, vague de fer dans sa face. Frappe dans sa face. Défense. Enfin, ça la claque, au moins on la reverra pas, tu vois. Et on a une plaie. Bon, on est coupé. Aïe. Mon doigt, le bobo. C'est brave, enlevez bien. Et on fait pour Pékin, c'est une bonne nouvelle ça. Sakash est revenu à 25 de dégâts. Frappe chironique d'abord. Deux fois Sakash, il est mort, c'est bon. Ouais, j'avoue. Hein. Frappe chironique pour tout le monde, déjà, ça c'est gratuit. Sakash dans sa face. Pff, allez. Salut. Des bisous. Et on régène. Je suis venu vous dire ça. Je suis un monsieur. Copier une carte attaque ou pouvoir dans notre main. Je capitaliserai pas, moi, je virerai tout ça. Tu vois. Quoique, placez une carte de votre défausse sur l'autre de votre pioche. Ça réinvoque une carte que t'avais avant. Ouais, c'est propre. C'est pas mal. Hein. C'est situationnel, mais je préfère la prendre. Ouais. Parce que si, genre, on réinvoque une colère pour le prochain tour, c'est gratuit, tu vois. Ou même la carte A1 qui s'amène. Le saccage, tu vois. Ouais. Enflammé, même. Non, c'est compétence. C'est une. C'est quoi que c'est une. Ouais, pas dit. Aurélien Royal, 15 PV supplémentaires lors des repos. Très bien. Ce sera bien juste avant le boss. Du coup, on peut partir à droite. Elite. Pour faire élite, point d'interrogation, ou alors on peut partir feu, monstre, point d'interrogation, ouais non, élite. Ouais élite, hein. Élite, monstre, feu, et on espère qu'on meurt pas comme des caca juste avant quoi. Je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire, oh putain, compliqué, il va falloir gagner le bonheur de force très vite là. Putain. Est-ce qu'on a... Ouais. Est-ce qu'on améliorerait pas la frappe chironique? Parce que là, ils vont taper à 25 et j'ai pas de solution. Je crois que c'est le moment de claquer le pouvoir aléatoire. Claque-le, on va voir ce que ça donne. Folie furieuse, 3 d'unanimité, début de chaque tour. On a besoin de pioche, donc limite, je dirais plus la brutalité. Là, on va payer très cher. J'ai pas de solution. Donc... Mais on s'en fout, on a l'oreiller royal. Ouais, mais bon. L'important, c'est d'essayer de survivre quand même un minimum. Donc là, ça ferait 5 de dégâts aléatoires à tout le monde, donc 15. Et ça ferait un peu plus. Un peu moins, 13, mais on pioche. C'est trop risqué. Enfin, on n'a pas beaucoup d'armure, en fait. C'est important de piocher, là, je pense. Hein. L'âme infernale, bon bah tant pis, hein, écoute, on prend le risque. Conflit.
Ah, je peux pas parce qu'il y a une carte compétence. C'est pas grave. C'est la merde. C'est pas grave, c'est le pire qui aurait pu nous arriver là. 6, je les avais oubliés. Ce qui fait qu'on se prend 19 dans la gueule. On peut se le prendre encore deux fois puis on crève. Hein. Et encore même pas parce qu'ils vont gagner de la force à chaque tour. L'ennemi perd 3 de force, c'était pas mal. Beaucoup de cartes là. On a draw là. Mm. On a draw. Alors. Ténacité, first. Tout à droite. Ouais. On a besoin. Derrière, on peut tenter le désarmement, histoire de diminuer ce qu'on se prend dans la bouche. Vous voyez aussi, ouais. Sur celui qui est le moins blessé. Il a désarmement plus. C'est l'autre, ouais. Sur l'autre? Ouais, 84 points de vie. J'aurais dit celui-là, ouais, remarque, ouais. Enfin, c'est plus pour... Ouais, tu me diras pour le long terme. Voilà, c'est un peu moins de damage dans la gueule, au moins. Derrière, par contre, c'est un peu la misère. Donc, on peut faire un saccage. Doubler la force sert à rien actuellement. Saccage, combustion, je dirais. Non, on peut pas. On a que ouais, non, mais saccage alors. Go. Saccage alors. Ouais. Allons-y. Faut absolument les diviser parce que là, ils nous en mettent mais grave dans la gueule. Ah, oh. Et là, on prend 18. Ouais, on va crever. Hein. Oh, la vache, on va crever. On va crever comme des cacas. Parce qu'on a rien pour bloquer ça et on est mort. On est mort, on a pas la défense nécessaire. 16 et 18, 21. Ouais, non, là c'est. Non, échec et mat. Personne n'est vulnérable, on a que des attaques. Ah putain! Morale de l'histoire. Ouais, malheureusement. Morale de l'histoire. Le coussin ne nous aura pas sauvé. Non, attends, on a le lézard, donc attaque totale. Ouais, c'est vrai. Faut que t'en tues un. Rush, attaque totale sur l'un. Et là, on a le silo pour la prochaine fois. À quoi qu'on a 26 points de vie. Non, ça passe pas là. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. Allez. Eh oui, on a bonus, le bonus de soins aussi. Ouais. Donc on a été régénéré full life. Ouais. 19, 18. Ouais, il faut que tu le tues. Enflammé, même pas mal, vague de fer. Ouais, je pense que c'est bien. Bon, tant pis. Ça, je le pioche, on sait jamais. Coup de boule. Au-dessus de 36. Votre pioche, la forme démoniaque, non? Au-dessus de votre pioche. C'était à piocher pour la dernière fois, tu veux dire. Ah, et la forme démoniaque, oui, ouais. Carrément. Ou non, la métallisation, même. C'est... Ouais. Ouais. Je mettrais la forme démoniaque. Parce que le problème, c'est qu'au prochain tour, on n'aura pas le temps de jouer à la forme démoniaque sans se prendre des dégâts monstrueux, tu vois. Bah là, si... Ouais. Bah non, là tu peux tuer le premier, donc autant garder la forme démoniaque. Ouais, tu marques un point. Coup de boule à 36 grâce à l'épipène. L'épipène qui sauve. Et on peut invoquer une autre carte. Non, on a plus de points, donc il faut une carte à 0. Genre une carte colère ou une carte saccage. Attends, y a rien d'autre à 0? Qu'est-ce qu'il y a à 0 chez nous? À part les colères. Non, on part sur une colère. Conflit, on a quoi dans conflit, le deck? Conflit, c'est trop dangereux. Je sais pas ce qu'on a dans le deck. Ouais, non, mais c'est dangereux. Bon, bah ok. Colère, c'est bien. Colère, va pour colère. Ah, on avait une brûlure, donc bien joué. Allez, bah y'a plus qu'à... Ah bah non, c'était au top du prochain tour. Donc non, j'aurais pas dû mettre colère, j'aurais dû... Ouais, bon, c'est pas grave. J'aurais dû réfléchir, mais c'est pas grave. Mais non, parce qu'on a déjà la 3 à mettre en place. Putain, quel quel film. Lame lourde, est-ce que ça le tue? 44, non, ça ne tue pas. Avec bon, enchaînement 14, ça fait combien? Ça fait 58. Non, forme démoniaque. Forme démoniaque et puis colère. En espérant qu'il se passe des choses. On a mis la métallisation? Non, on l'a non, pas mis la métallisation. Donc, on va se prendre 18. On va se prendre. Et on a pris des dégâts, je sais pas pourquoi. 22, ah oui, non, parce qu'on a le dé du mal. Les brûlures, putain. On a tout bouffé. Frappe chironique, ça sent bon par contre. Hein. Frappe chironique, ça sent bon. Ouais, frappe chironique, plus colère, plus colère. Ça suffira pas. Et il va nous tuer cette fois. 22. Attends, il y a le coup de boule. Non, mais il va nous tuer. Non, regarde, 31. 31, ça fait combien? Ça le ramène à 28. Non, ça passe, hein. Ouais, il y a deux colères. Ouais, j'ai rien dit. Boum. Boum. Et boum. Fou. Pas de beaucoup, hein. Eh ben putain.
peinture de guerre, deux compétences aléatoires. Compétences aléatoires, trois par ajouter vos uns, ok, très bien. Et enfin, une peinture de guerre, allons-y. Et on a amélioré des forces qui devient enfin viable, ainsi que tenacité, ce qui est quand même la classe. Mm. Et qu'est-ce qu'on gagne soit l'épée boomerang, soit le cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre, c'est jamais perdu, tu vois. Mm. Cri de guerre, ça n'est jamais perdu. Bon. Bon bah faut espérer. Faut espérer, faut y croire. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Qu'est-ce elle, t'as 5 tours pour la tuer. Ah non, tu sais, elle frappe de plus en plus fort. Oh, ah mais non, mais on a clairement pas les armes pour faire ça. Oh niet, niet. Oh, on est mort là. Ne plus que the bellot. On est mort. Compétence aléatoire sur 3 dans notre main. Coup de 0 ce tour. Doublez votre armure. Non, oh, non, mais non. Ah non, c'est la baise, c'est la baise. Chers amis, mes excuses pour cette coupure incroyable, il y avait plus de place sur le disque dur. Il faut savoir que face au monstre, on a survécu, on ouais. a tenu avec Jay. C'était beau, c'était beau, non franchement c'était de Le principe beauté. Du monstre, je rappelle, c'est il tape à 30, puis à 40, à 50, à 60 et à 70, et ensuite il se suicide. Voilà, c'est ça. Et le truc c'est qu'en fait, quand il tape à 30 par exemple, et que tu lui fais 10 points de dégâts, et ben en fait ça diminue son attaque à 20. Donc ça veut dire qu'en fait faut être agressif et lui virer tous les points de vie plutôt que de mettre de l'armure à donf. Mmh. Et on a pu survivre comme ça parce qu'on a réussi à mettre la forme démoniaque et à lui mettre des colères quand même, ce qui lui a fait baisser son taux d'attaque. Ensuite on a mis une faucheuse à 40 points de vie, ce qui nous a régène full life. Ouais, et ce qui lui a descendu son attaque de 40 à 6 je crois, et donc on avait l'armure. Et puis en fait on a réussi à négocier comme ça avec la force machin voilà, et tout. Ouais. La force faisait que nos attaques étaient plus fortes, résultat on a enlevé beaucoup de points d'attaque parce qu'à chaque fois que vous le tapiez, son attaque diminuait d'autant. Voilà, exactement. Ce qui fait qu'on a survécu comme des héros et on lui a mis des mines. Mais alors des mitrasses, vous imaginez pas. Il est parti, il avait 200 points de vie, tu vois. Mmh. Donc, je crois qu'il a pris des gifles. Je crois qu'il est allé pleurer, en fait, le monstre. Je crois qu'on l'a vexé. Il est retourné dans sa dimension en PLS. Ouais, bah, c'est ça. Là, tu vois, je serais tenté de mettre une faucheuse, mais on est full life. Donc, ça sert à rien. Frappe chiro... Enfin, enflammé déjà. Pour commencer la politesse. Hein, la base. Frappe chéronique, histoire de vulnérabiliser tout le monde, hein, de les fragiliser, hein, de les mettre en position latérale de la PLS. Métallisation, hein. Métallisation. Non, métallisation. Métallisation. Ouais. Soyons raisonnables, on va se prendre 9 de dégâts, mais c'est raisonnable. Be reasonable. Voilà, j'aurais pu cri de guerre, mais... Ouais, non, je pense que c'est bon. Non, parce que le cri de guerre qui t'apporte... Il faut quand même se débarrasser du Pokémon pic, parce qu'il va se buffer les pics et après il va se faire plus important, c'est les Pokémon kamikaze là-bas. Hein. Oui, je sais, mais ça va bien se passer. Il y a encore un tour, ça va se faire. On est un peu buffé. On peut dépasser les limites dès le début, histoire de les garder au frais, tu vois. Ouais. Dépasser les limites enchaînement, j'ai envie de te dire. Ouais, dépasser les limites enchaînement, hein, histoire de garder tout le monde un peu saucé, voilà, comme ça, et de s'occuper du suicidaire. Ouais. Voilà, et on se prendra... On a un deuxième, hein. Ouais, je sais, mais... Ouais. Ah merde, le deuxième, j'avais pas vu. Et ben on va se prendre 0 de dégâts, parce que l'armure... Ce qui est propre. Voilà. Bon, après, on a pris les dégâts à cause de taper pic pirate, là, mais ça se passe bien. Par contre, ils nous bourrent les hébétements, et ils les mettent directement dans ma deck de pioche, hein, c'est pas... Ça déconne 0. Placer une carte en haut, même pas mal. Alors, il faut tuer Jean-Michel Kamikaze. Ouais, il faut tuer Jean-Michel. Bon, après... Non, mais ça s'en fout, fait une frappe simple, de toute façon. Ouais, une frappe simple, pouf. Ensuite, là, donc, on a... Pouf. Pouf, et choisissez une carte à piocher pour le prochain tour. Dépasser les limites. Faucheuse. Non, ça... Ouais, Faucheuse. Au prochain tour, alors, on pioche Faucheuse. Qu'est-ce qui se passe? Et là du coup, même pas, de toute façon on gagne l'armure. Mm. Combustion, si on lui fait des dégâts à combustion, frappe. On prend des dégâts ou pas? Oui, fais-lui une frappe. Ah mais on prend 7, c'est moche. Ah oui, Non, mais ouais, combustion alors, t'as raison. Non, combustion c'est bien. Combustion. Combustion Y, on peut dire. Là on va vérifier, regarde, 5, et tu vois on bouffe pas. La combustion est passive. Mm. Donc tout va bien. Certes. Donc ça bloque tout, mais on pioche nous notre petite faucheuse. Désarmement, perd sa force, non mais ça change rien au pic de toute façon. L'âme lourde, ça pourrait l'assassiner sur place, mais faucheuse, ouais, mais il nous fait 7 de dégâts. Ouais, faucheuse puis frappe. Il faut l'achever. Ah, mais ça tuera pas, ça fera 22. Bon bah, l'âme lourde. Ouais, allez, finish him. Surtout que si on fait faucheuse et frappe, on prend 2 fois 7. Ah, quoi que si, ça le tue. Attends, si on fait faucheuse, il bouffe la flamme, il sera à 13.
On gagne du PV. Voilà, écoute. Et en plus, on a régénéré parce qu'on avait. On a la pointe de stylo qui est active pour le prochain tour. On aurait dû faire frappe faucheuse. Non, parce que. Ouais, c'est vrai. Mais frappe. Ouais, non, parce qu'on n'aurait pas pu régénérer plus que ça en fait. Mais là, tu vois, non, on est bien. On a la pointe de stylo active. Mais si, frappe. On le fait en premier. On aurait fait faucheuse avec la pointe de stylo. Ça nous aurait fait du gavage. Oui, mais on peut pas récupérer plus de points de vie qu'on lui enlève. Et si on lui avait fait frappe, on lui aurait fait 12 de dégâts. Il lui resterait 13 points de vie. On aurait absorbé 13, tu vois. Ouais. Et là, on a absorbé plus. Parce qu'on avait le bonus de 50% et tout ça. Non, c'est peut-être maintenant qu'on l'a le bonus de 50%. T'as peut-être raison. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, go. Bon, on le bute, mais ça nous fait 7. Ouais, mais frappe. C'est frappe, moche. Non, c'est moment, moche. Il faut mais on lui met du feu. Après, il brûle. Tu vois. Moi, en fait, si c'est ça, en fait, regarde. J'optimise. Je passe. Il crame, je perds un PV. Mm-hmm. M'en fous. Du coup, lui, il a meilleur son pic pirate, tu vois, il est chaud. Mm-hmm. Moi, je me décontence pas, je touche à rien. Mm-hmm. Vas-y, Greg. Je le crame. Mm-hmm. Il a meilleur son pic pirate, il est chaud, tu vois. Et nous, on a perdu 3 PV, et on l'a cramé pour 15. Et on n'a pas perdu une couille, bah tiens, pour la fin. Voilà, ça, c'est juste pour les muscles. Voilà, juste pour les muscles. Allez, boum, il est mort. Tu vois. Et on n'a pas perdu 7, on n'a pas perdu tout, et on a régène à Drouf. Ouais, c'est cool, c'est mieux. Intimidation plus, 2 faiblesses à tous les ennemis, épuisement. Eh, c'est gratuit, ça. Ouais, je sais pas si ça rentre bien dans le deck. Non, c'est vrai. Mais c'est gratuit. Ouais, bah vas-y, prends-le. Alors, si c'est gratuit... C'est gratuit, hein. C'est pas... Ça coûte 0, on draw à mort. Qu'est-ce que c'est que cette merde, la gueule? 300 PV. Ouais, lui, enfin bon. Il prépare de la merde, j'aime pas ça déjà. Saccage, frappe, et frappe chironique. Commence par la frappe chironique. Frappe chironique, ouais, bien sûr. Saccage, ouais. Histoire de masticoter un peu. Ouais, ah, mais ça. Non, on avait le stylo, tant pis, on se parle. Le stylo actif, c'est pas grave. Combustion. Tu veux mettre la combustion ? Ouais. Pour 5 points de damage. Ouais, c'est vrai qu'on risque de perdre plus, ouais. La vague de fer faisait plus mal, mais bon. Certes. Pas grave, de toute façon ça. Là il nous faut du. Il faut de la force là. Aïe. Frêle. Aïe. J'aime pas ça. Forme démoniaque, tant pis si on prend 25. Il va taper à 25, ouais, mais on se prendra 19. On a le soin derrière, mais il faut à tout prix mettre la forme démoniaque. Il a 300 points de vie, on va en avoir besoin. J'avoue. Pour les attaques lourdes, rien que les attaques lourdes. Par contre, on a une colère gratuite et ça c'est gratuit. Toujours gratuit les colères, c'est cool ça. Et on gagne quand même 6 d'oricalque malgré la faiblesse. Donc on prend 19, mais. Flammer, hein, de toute façon, ouais. Intimidation, c'est bien, 2 de faiblesse, et du coup, regarde, 5 x 2 va devenir un moins x moins, tu vois. 3 x 2, j'ai. Voilà, 3 x 2, donc on se prend 6, qui sera bloqué, quoi qu'il advienne. Donc enflammé. Là, enflammé. T'as une lame lourde, là, déjà. Fais voir, une lame lourde, ça ferait 44. J'ai une faucheuse, aussi. Ouais, mais la faucheuse, vaut mieux la garder, encore. Non. Si, la faucheuse, elle va pex, hein. Là, on a le temps de revoir la faucheuse avec vu le nombre de PV qu'il a. Hein. Marque un point. 3 de force en moins, histoire de le guaquer du cul plutôt que l'âme lourde. Ouais, je suis d'accord. Et puis boomerang parce que c'est fun. Ouais, je suis pour. Quoique, Hurt, ça mettra en vulnérabilité. Ouais, bon, non. Désarmement, histoire de nous placer. Voilà, écoute. Et on jongle avec les couteaux, parce que c'est drôle. Tu vois. Allez. On a quand même 2 potions de force. Hein. Donc, on pourrait gagner plus 4 de force pendant un tour. Vaut mieux les garder pour les boss. C'est ça. Et non, c'est jusqu'à la fin du tour, je crois. Jusqu'à la fin de... Ah oui, c'est d'accord, jusqu'à la fin du jeu, ok, pas trop bien. Enfin, jusqu'à la fin du combat. Alors, métallisation... Métallisation, ça nous sécurise. Qu'est-ce qu'il prépare, là? J'aime pas ça, là. Il va augmenter sa force, je pense. L'âme infernale, peut-être. Coup de boule... Coup de boule pour préparer le prochain coup. Ouais. Tu vois. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut au prochain tour? On veut genre double limite. On a place ça, on peut mettre que des attaques de dégâts. Alors... Parce que là, ça cage. Ouais, ça cage, carrément. Je regarde, coup de pied sauté, frappe... Épée boomerang, quoi que épée boomerang, les dégâts. Saccage, c'est vrai. Ça cache. Mais le saccage, c'est juste 5 pour tout le combat, mais est-ce que. Mais ça prend en compte la force, donc dans tous les cas, ça va être d'une violence. Bon, ouais. Ok. Et pour 1 surtout. T'as raison. Puis on joue ça aussi, parce que c'est gratuit. Quoique frappe du pommeau. Ah bah, on peut draw saccage, ouais, mais on pourra pas le jouer. Donc, ouais, ça. Et puis enchaînement, c'est gratuit. C'est propre. Des bisous. Bon, on va passer à 12 de force, ça commence à être bien. Ouais, il s'est buffé, mais du coup, bon bah, il a rien gagné. Allez, dépasse-moi les limites, mec. 12, 24. Et petite ténacité derrière, je sais pas, attends. Dépasser les limites, c'est gratuit. Sûr. 24 de force, là on rigole. Cri de guerre pour voir. Ouais. Je m'en tant pis. Qu'est-ce qu'on veut au prochain tour? Ténacité. Non, là on va jouer saccage et ténacité, donc autant virer. Enchaînement au prochain tour, ça fera plus de dégâts. Mmh.
là du coup je veux saccage pour lui en mettre plein la bouche et ténacité parce que c'est confortable et on va se prendre 2 points de dégâts seulement. Parce qu'il y a le. Ouais, c'est ça. L'endurcir pour être dur. Oh! Très bien. Ambidextrie qui nous permet de copier une carte. Ouais. Parce que là, il faudrait un cri de guerre pour espérer, guerre, ouais. Espérer qu'on ait un truc pété. Non, on a de la merde. Tant pis. Bah, ambidextrie au prochain tour. Ouais, parce que là, il ne voit rien. Du coup, frappe chronique pour l'affaiblir. Enchaînement pour lui mettre un 52. Et une frappe pour un 66. Tant pis pour la régène. 99 de dégâts, putain. Ouais, on le tue. Mais est-ce qu'on veut pas régène? On peut attendre un tour. On peut attendre un tour, on aura toujours le 6. Ça l'achèvera le prochain tour si on attaque de toute façon. Oui, donc c'est pour ça, il faut qu'on voit. Là, ce serait bien d'avoir la régène. Ouais. Alors, on a une chance d'avoir la régène. On n'a pas la régène. Par contre, là, le 8x4, faut le tuer. 8x4, ça fait combien? Attends, ça fait 36. Ouais. 36, ouais, il faut mourir. Attention, est-ce que. Dropkick Dropkick de la mort. Il reste un point de vie. Ça lui a pas tué? Il fallait faire ambidextre. Le 1 point de vie. Et ben, quelque part merde, surtout parce que tu. Attends. Pisserie. Je pouvais pas rester de ça marcher que pour attaque ou pouvoir. On serre les fesses! Contractez les pecs! On va pas pouvoir soigner vu qu'il lui reste qu'un point de vie. Ah! 9! Ça va. Heureusement qu'on a l'oreiller royal. Allez, mets-lui une lame lourde, là, explique-lui. Colère dans une patate. Alors, une patate chaude. C'était l'erreur. C'est pas grave. Enseignant 100%. Non, mais non. Mmh. Rien du tout. Rien du tout. Quoique, ça pourrait devenir gratuit, ça. Ouais. Ouais, non, rien du tout. Bon, bah, il va falloir dormir. Mmh. C'est bien, on va gagner plus de PV en dormant, tu vois. Plus 15 PV au Rire Royal, on gagne tout, tu vois. C'est bien, ouais. Et bah, on est déjà à 52, en fait. Ouais, oui, écoute, on gagne une carte. Alors, brutalité, hey. Ouais, brutalité, c'est bien. Allez. Il faut de la pioche, là, de toute façon. C'est gratuit. Excellente carte. Allez. Là, c'est... Allez, ça. Boss de fin. Distorsion temporelle, qu'est-ce qu'il fait? Jouez 12 cartes, votre tour prend fin et le dévoreur gagne 2 de force. Cette mine compte peut attaquer 7 dégâts pour 3 fois, ok, d'accord. Flammer direct, hein, ça, de toute façon, tout ce qui est force, il faut le faire. J'aurais commencé par Grid Guerre. Grid Guerre, t'as raison. Force, t'as raison. Non, t'as raison. Grid Guerre, c'était important. Grid Guerre, ouais. Dépasser les limites parce qu'on a tout gagné. Ouais. On a tout gagné du cul. Non, prends-le. Attends. Au-dessus de votre pioche, c'est-à-dire pour le prochain tour. Ouais. Enchaînement. Parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est Heurt et coup de pied sauté, ce qui va nous faire draw. Et d'ailleurs, on va draw enchaînement. Ouais. Parce que c'est. Le monde est bien foutu. Mais on pourra pas le jouer du coup, malheureusement. Ah si, on pourra. Dépasser les limites. Voilà. Ah, j'aurais dû jouer les deux potions avant de dépasser les limites. C'était très con de ma part. Merde. C'est pas grave. Jouez tout de suite, de toute façon. C'est pas grave. On n'est pas aux petits, mais on est aux petits oignons, si vous voulez. Boum. Voilà, on l'affaiblit. Drop kiku. Voilà. Un enchaînement. Allez. Par contre, bon, il est déjà 6 cartes et on va perdre un tour gratuit. Il va gagner de la force. Il va nous faire mal. Aou. Combustion, hein. 26 où il va piquer très fort. Combustion, je suis pas chaud. Ça ferait 39 de dégâts, ce qui est quand même assez douloureux. Ça permettrait de placer une carte de notre défausse. C'est bien les cartes à droite, là. Mmh. Donc, affaiblir les limites. Hein. Ouais, carrément. Vas-y, enfin, dépasser les franchir limites. Les limites, après on fait frappe du pommeau et on récupère franchir les j'aurais été métallisation peut-être. Sinon on va bouffer 26. Hein. Non, il met le coup de boule, de toute façon il nous faut qu'on récupère. Coup de boule, ouais. Coup de boule, et puis on récupère dépasser les limites. Ouais. Voilà. Éventuellement, ouais, t'as raison, on frappe du pommeau et puis. Ou même cri de guerre pour récupérer. Cri de guerre, parce que c'est gratuit. Ça nous fait dépasser les limites, du coup on récupère quoi pour la prochaine fois? Une frappe là, on va pas frapper de toute façon. Je dirais, regarde, je vais faire frappe du bon pour la prochaine fois. Pourquoi? Parce qu'on fait métallisation et dépasser les limites. Ouais, du coup on a pas besoin de piocher, ouais, ça se tient. Ou alors on range ça parce qu'on va faire dépasser les limites et métallisation et du coup au prochain tour on aura celle-ci qui sera complètement fumée. Ouais, c'est vrai, on peut faire ça. Donc ça me paraît bien. Tant pis pour frappe du pommeau. Métallisation permet quand même de mitiger un minimum. Et là par contre faire attention parce que dans deux cartes, il nous claque notre tour.
Ça a tapé dur. Hein. What? Réduction de pioche, comment ça? Piocher une carte en moins au prochain tour. Ah ouais, t'es comme ça. Il va se buff, donc tout va bien. Il va se buff, donc on est confort. Mais il est à 10, donc attention à la 12ème carte. Donc, tour enfin, il gagne 2 de force. Et frappe. Et frappe Kéronique et épée boomerang ouais, pour lui en mettre plein la chatte. Hein. Ouais, ouais, fais ça. Quoique, il nous a diminué la draw, donc. Non, mais si, fais-le. Pour faire du damage. Brutalité, peut-être. Ouais, brutalité et épée boomerang pour lui mettre plein de dégâts quand même. Ouais, tu vois. Ça marche, ouais. Mais. Ce sera pas aussi violent, mais ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il nous faut brutalité, de toute façon. Ouais, il faut qu'on draw. Donc, épée boomerang, ouais, ça me paraît pas mal du tout. Allez, vas-y. Ouh là là. Et là du coup, il nous cancel notre tour avec son warp. Mais c'est pas grave, on avait calculé. Immunisé à la faiblesse, mais on est vulnérable. Il va nous mettre 13 x 3, ça fait 39. Faut absolument qu'on trouve les moyens de résister. Alors bien sûr, on a la faucheuse qui nous permettrait de régénérer full life. Faut attendre. La forme démoniaque. Non, faut pas attendre là, parce que là, il va taper très très dur. Forme démoniaque est tentante, mais on a 20 de force, on peut déjà très largement faire la taf. Non, mets-lui une frame chironique déjà. Frappe chironique pour l'affaiblir. Ah ouais, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va pas le baisser son attaque de vulnérabilité. Oui, mais frappe chironique, faucheuse. Et là, on est full life. Et donc, on peut se bouffer 39 de ouais, dégâts, c'est mais vrai. C'est frais. C'est vrai, on peut faire ça. Allez, par contre, après 39, on est à 77. Il nous remet mid life. Hein. Sinon, ce que tu fais, c'est un. Quoi qu'on aura un peu d'armure. Pas mal et faucheuse. Ouais, ça devrait régénérer assez. Hein. Ça fait 9, ça fait 32 dégâts, ouais c'est pareil, c'est pas mal, c'est pas déconnant. Ouais mais non... Ouais parce qu'on pioche une carte et puis... Ouais on aura 6 d'armure, 2 d'armure. Ouais c'est pas si mal, hein. c'est pas si mal, j'aime bien, moi j'aime bien le... Allez bon on va tenter. Même pas mal, on pioche mais on s'en fout. Colère bah c'est gratuit donc tant mieux. Faucheuse d'abord, histoire ouais, parce que histoire de piquer. Et on a un gène code 6 parce qu'il avait l'armure, c'était très très con de ma part. J'ai pas vu l'armure non plus. Malheureusement, je l'ai pas vu. On va se prendre 39, mais on a 11 d'armure. Donc on va se prendre 28. Ce qui nous ramène à 20. 22. Très bien. Aïe aïe aïe. Il va taper à 28. Mais on a 9 d'armure, donc on survivra au prochain. On a vu le désarmement aussi direct. Attends, vérifie d'abord. On a ténacité. Hein. Ouais, mais désarmement. Il y a coup de pied sauté d'abord, c'est gratuit. Il est vulnérable, ouais. Donc, ouais. Donc allons-y. On a encore plein de cartes à jouer, 9, donc c'est pas mal. On a une lame lourde pour 258 de dégâts. Le direct. 387. C'est... 258 de dégâts FDP. Et 387 au final, ça lui a mis. Parce qu'il était affaibli. Enfin, il était vulnérable. Affaibli plus le pinceau là. Oh le coup. Et on avait le stylo. Oh le coup de genou. Ouais. Stylo. Affaiblissement. Multiplicateur x 5. Putain, c'est clair. Oh la vache. Kiro. La patate. Et on a réussi à nouveau. C'est la beau. Mistre de forain. Et ça, c'est beau. First try. Pour YouTube avec Jay. Alors, bon, vous avez perdu le combat avec l'espèce de machin, mais comme on l'a dit, ça s'est bien passé. Au début, on était défaitiste, hein, en pensant qu'on était mort, mais c'est non, passé, non, mais ça comme s'est des héros. Bien passé. Franchement, oh la mistre! 387, tu vois pas un coup comme ça tous les jours. Comment on en a fait notre pute? Alors attendez, excusez-moi. Boum boum, boum boum. Une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour, la source de tout ce mal? Vous dégainez votre gigantesque épée, puis fermez votre braguette et dégainez votre lame. 742 dégâts, brr. Le cœur se tortille et saigne, mais il continue à battre. Vos attaques les plus puissantes ne suffisent-elles donc pas? Vous demandez, est-ce la première fois que je viens ici? Vous avez infligé un dégât de 2000 dessins. Ah, je pense que c'est sur toutes les parties en fait. Ok. Et on tombe dans l'inconscience, car telle est la fin de la tour, la flèche, slay the spire. The spire en français ce serait la flèche, hein. Ou la tour. Spire c'est un mélange entre une tour et une flèche, et dans Fable 2, ils avaient traduit ça par la flèche. Quand ils disaient alors fallait construire the spire, c'est pour ça. Donc. Mais du coup voilà, ascension. Zip. La victoire est absolue. Et on a gagné 3 cartes. Frappe sauvage, insérer une plaie dans votre poche pour 12 dégâts, c'est bourrin. Évolution, quand vous piochez une carte statue. C'est quoi une... Piocher une carte. Ah, cool. Ah, lol. Évolution, c'est quand t'as tellement de cartes statue de merde, tu pioches quand même une carte, t'as trop de blessures. Et immolation, 21 dégâts à tous les ennemis, ajoutez une brûlure à votre poche. D'accord, c'est un deck. Ah ouais, d'accord.
Et ils ont rajouté des trucs intéressants. Ouais, c'est le deck cancer. Hein, mais, c'est, j'ai le cancer, mais ça rend plus fort. C'est beau. C'est beau, et bien évidemment, nous n'aurions jamais pu accomplir toute cette victoire sans le crâne rouge, bien évidemment. Le stylo, qui a été mes MVP. Ouais, stylo. La queue de lézard, bon, a été épuisée, mais on a été sauvés par la queue de lézard. Ça veut dire qu'on a été sauvés. Surtout. Ouais, on a été intelligents. Hein, les queues, les fleurs magiques, les stylos, on a bien choisi. Et bien sûr, l'oreiller royal, bien sûr, qui a été là. Bon, ce qui est dommage, le début de la game. Ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même perdu notre queue dans l'aventure. Quoi. Ouais, mais on n'a pas perdu notre lame, et on a fait combien de dégâts déjà? 387. Ouais, c'est clair. Putain, on a mis des patates. Oh là là. Faut voir les reliques rares, lesquels étaient rares. Attends, je sais pas. C'est bugué en fait. Ah, ok. Ok. Je pense qu'on l'a fait bugger. Compendium. Bon, bah dis donc, c'était pas mal. Et ben, c'était pas mal du cul, hein. Fais voir, voilà. Boss, reliques rares. On a récupéré quoi dans les reliques rares? On avait rien récupéré. Ah si, on a de la fleur. La fleur magique, 50% de... Pété. De soins en plus, j'avoue, c'est pété. Hein. Une faucheuse dans notre deck, ça a tellement fait le taf, les enfants. Il y avait le piaf qu'on a récupéré lors de notre première run où on est mort comme un caca, la run tutoriale. La run tutoriale, putain, je peux même pas monter, qu'est-ce qui se passe? Voilà. 25% d'or supplémentaire. Et ben voilà, on aura fait une petite vidéo qui aura duré genre 2 heures. Voilà, comme ça vous plaignez pas de contenu. Bah, bonvenue des 3, mais rien à foutre. C'est ça qui est bon. On vous remercie avec Jal, un Jal qui est épuisé. Il a des petits yeux. Ouais, c'est 2 heures du mat. Ah, il est fatigué, il est mignon, c'est adorable. Ouais. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. C'était Bob Lennon et Jal. Et zou. Salutations, muchachos. Oh, c'est ça qui est bon. Allez, zou. Dans les verres. C'est bugué!